Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode de Défi Planet Base, incroyable. J'en ai marre de tourner cet épisode pour des conneries, c'est pas possible, c'est incroyable, mais on va y arriver. Donc voilà, un nouveau défi, vous n'aurez jamais les rushs des différentes morts. C'est dommage parce que le coup de l'ingénieur buggé qui veut soulever sa caisse en boucle mais pas réparer, vous avez raté quelque chose. Quoi qu'il en soit, on va s'attaquer donc à Dark Moon, mission suicidaire. Donc Planet Base Corporation vous a demandé de coloniser une planète lointaine qui se trouve à l'écart de toutes les grandes voies commerciales. Donc, pas de commerce. Il n'y a pas d'atmosphère. Donc, pas de tyrolienne. Voilà, j'avais envie de dire tyrolienne, donc je le dis. Voilà, il n'y aura pas de tyrolienne. Oui ! Non, c'est mort, il n'y aura pas. Pas dans les mines. c'est peut-être pour ça qu'ils adorent aller dans les mines à la base, parce qu'il y a des tyroliennes. Peut-être qu'ils en auront marre d'aller dans les mines maintenant. Bref, donc pas d'éoliennes. Les jours ils sont très courts et les nuits très longues. Donc il va falloir de la grosse pile, ça c'en est sûr. Ça fait de cette mission un véritable défi. Ce qu'on oublie de nous dire aussi, c'est qu'on va se prendre des météores de Pégase dans la tronche, évidemment. On commence avec deux ouvriers, un biologiste, un ingénieur et CR1, donc un robot de transport. Il faut se dépêcher puisqu'en fait votre colonie indépendante, le biologiste ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à long terme, le seul biologiste que vous avez ne suffit pas pour pourvoir aux besoins de la colonie. Et que bien entendu, on va démarrer avec un médecin qui nous sert à rien. Voilà. Regardez, voilà, bonjour, tu sers à rien. Et encore ça va, puisqu'on a deux ouvriers. En vrai, il sert un peu. Donc. La priorité absolue, comme on disait. Hop, je veux ça. Suivi de ce. Suivi de... de ça. Ça, c'est la priorité. Et admettons, oui, celui-là, si tu veux. Et ensuite, il nous faut... un petit. J'ai pas besoin d'un gros. En fait, faut éviter aussi de consommer trop de courant électrique. Ça pour l'instant on peut pas le poser puisqu'il faut qu'il se dépêche avant tout de nous produire de l'électricité et voilà. Et commencer déjà à emmagasiner du jus avant de faire quoi que ce soit. Et bah c'est pas tombé bien loin. Alors oui c'est vrai que les défauts de sélection de ce jeu c'est toujours pas ça. Au 2 je suis presque tenté d'en faire tout de suite un pot. C'est vrai qu'à chaque fois j'en fais un petit mais non j'ai envie d'en faire un gros pour une fois. Pour une fois j'ai envie d'en faire un gros, ça nous impacte sur un métal. Alors il est vrai que ça peut être le métal de la différence. Je sens que ça va m'énerver parce que je me dirais ah merde putain en fait c'était le métal de la différence. Mais bon j'ai envie, je suis joueur, je te recycle tout de suite. Allez go 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 go. Go go Power Rangers, go go Gadget au Brato. Go go Gadget à l'Emile le bateau. Ah, une référence pour ceux qui sont nés en 2000, vous avez vu, je suis sympa. Hein. Ah, vraiment, vraiment, je suis vraiment un super type. Hein. Après, je sais pas ce que vaut la référence, hein. Vous vous débrouillerez avec. Hein. Alors, pas un trop gros, parce que pas nécessaire. Et puis après, moi, je vais m'attaquer à l'industrie. Ou peut-être... Ah, il faut que je vois ce qui me reste en métal. Faut que je vois ce qui va me rester en métal. Viens-moi ça. Il nous reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 métal. Hein. 9 métal ou vous allez encore m'en enlever? Non, c'est bon. Il reste donc 9 métal. Hein. Ça, c'est prioritaire, mec. Hein. Faut arrêter tes conneries. Voilà, merci. 9 métal, j'en prends 5 ici. Ah oui, mais faut me dégager un peu de merdier là. Dirais-moi un peu de ça là. Okay. Bon, moi ça attendra un petit peu. Ça attendra un poil de plus. Un tuyau poil. Ok.
On est pas mal, on va tout de suite mettre l'autre cloche à bosser. Voilà. Voilà. On fera 3 arbres, on sera pas mal. Voilà. Vous saoulez pas le monde. Très bien. Vous avez pas votre petit écran de propagande, je peux vous le mettre à la limite pour l'instant. Puis de toute façon, je le recyclerai s'il y a besoin. Ouais, voilà, tiens. Votre écran de propagande, il est là. Ouais, mais je crois que quand je mets un écran de propagande, je peux plus rien mettre dessous, c'est ça, oui. Regarde-moi ça. Faut que je le mette genre bien droit là dans le coin. Yes, voilà, vous avez votre écran de propagande. Au boulot! Ok, ça bosse dessus. C'est bien, c'est magnifique, superbe. Et écran de propagande, tout ça, c'est fait. Il faut que je mette ma piste d'atterrissage pas très loin là. Ah bah, tu sais quoi, oui, c'est ça. Tiens, mettons là ici. Admettons, mettons là. Et il me faut ceci. Le nom petit, hein, j'ai pas besoin d'un gros truc. Voilà. Normalement il devrait nous rester une petite place ici, mais alors je suis pas sûr qu'on va pouvoir y faire entrer grand chose. Alors, on va pas pouvoir y faire entrer grand chose. Si je vais y faire entrer quelque chose, il va falloir que je dégage ça. Oh, pff, oh, laissons ça comme ça. Laissons ça comme ça, c'est pas très esthétique, c'est pas grave. Ouais, il fallait que je bouge lui un petit peu là. On s'en fout. En vrai, on s'en fout. Alors, il faudrait que j'aille tout de suite ici. Il faudrait que j'aille dans. Ah oui, mais je peux pas aller dans le permis d'atterrissage tant que oui. Donc la piste n'est pas faite. Yes! Voilà. Je crois que j'ai tout consommé. Alors, toi. Ok, donc permis tout de suite. Il ne me faut rien d'autre que des ouvriers et des biologistes. Fin de l'histoire. Et il me faut 75% de biologistes. Voilà, bonne journée. Problème réglé. Non. Ouverture de la mine. Il me reste un bout de métal. Hein. Oui, il est là. Ok. Ok, ok. Donc voilà, je pense que le setup est pas trop mal. J'ai ma piste d'atterrissage. Piste d'atterrissage qu'on pourra recycler assez rapidement pour pouvoir obtenir des pièces de rechange. Je la mets juste en place maintenant en fait pour avoir en fait mon quota de biologiste. Parce que comme vous voyez là, mon biologiste tout seul, bah il est déjà en PLS avec juste 2 trucs. Voilà. Il n'y a que 2 trucs et il est déjà en PLS. Et j'ai presque envie de déjà lui recycler ça en disant mec, sors-moi des bioplastiques et point barre. Parce que j'ai besoin aussi pas mal de bioplastiques. Enfin, j'ai surtout besoin de bouffe en vrai. J'avoue, les bioplastiques, j'en ai. Je devrais surtout lui mettre de la bouffe en fait, à gérer. En vrai, je devrais faire ça. Après, j'ai pas utilisé la technique de l'abus. Alors, la technique de l'abus. La technique de l'abus, c'est pas compliqué, c'est de recycler un vieux truc pour construire un truc neuf à la place. Voilà, puisque quand il est neuf, bah il arrive à 100%. Oh! T'es une armée de biologistes? Bah formidable. Allez. Au revoir monsieur. Je vous explique bien monsieur. Ah oui, alors. Faudrait que je me rentre un ingé de plus. Il est vrai. Permis d'atterrissage. Part sur un petit 50-50. Voilà. Un petit 50-50. Parce que oui, avant de recycler ça, ce qui serait bien quand même, c'est que je me mette un deuxième ingénieur sous la main. Au cas où il y aurait un météore qui lui tomberait sur la tronche. Quand même. On sait jamais. Ou pareil, s'il y a un météore qui tombe là-dessus alors qu'il y a deux mineurs dedans. Voilà, ce genre de conneries qu'il faut mieux éviter. Une pire presse à bioplastique, ça peut se faire. Donc ça se fait. Donc voilà, vous voyez, là j'ai utilisé la technique de l'abus. C'est-à-dire qu'on est parti directement sur du matos tout neuf. J'ai viré les anciens. On a mis du neuf. Fin de l'histoire. D'ailleurs, non, en fait... ouais, si, on va faire la bio, on va faire la presse quand même maintenant. C'est pas vital de la faire, mais on va la faire. Hop. Une deuxième truc à repas. Une deuxième plante. Et donc, un deuxième godet de flotte. Ouais. Ouais. Ah, c'est l'écran qui nous emmerde. Alors, ouais, attends, excuse-moi l'écran. Ouais, salut. Ouais, le deuxième truc de flotte. Ouais, ouais. Et maintenant, tu peux mettre tous tes écrans de tes morts de propagande. Et la propagandia. Si. Oh, ça veut pas.
Bon, ici, on va rien mettre, puisque faut, à un moment donné, faut laisser aussi de la place pour les couloirs. Comment je... Ouais, merci. Nice. Plus d'eau. Ah oui, plus d'eau. Alors oui, plus d'eau. Alors plus d'eau, ça peut se gérer autrement. Alors ça, c'est bon, on en a plus besoin. Viens-moi ça, cool. Viens-moi tout ça. Je sais pas ce qu'on a à bord, mais je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Hein. Ouais, oui, on a plus de flotte. Lol, génial. Je suis très content de le savoir. Vraiment. Du plastique. Du plastique, les poulets. C'est parti. Pour moi, vous êtes assez nombreux. Allez au boulot. Ah, oh, quoique. Viens-moi celui-là. Je vais quand même nous mettre une plante. Une petite plante pour plus tard. La petite plante de on sait jamais. Yes. Allez-y. Passez-moi du plastique. Voilà. Il nous reste un peu de métal. Intéressant. Interesting. Ah oui, mais ça c'est chiant. Bah tant pis, hein, je vais te mettre comme ça. Non, c'est chiant. Par rapport à mon plan, c'est chiant. Alors je pourrais peut-être te mettre là si je virais cet accu là. Il fait jour, viens-moi cet accu. Viens-moi cet accu, viens me mettre cet accu plus par là, genre. Voilà, superbe. Ah, il est magnifique. Il est incroyable. Ah non, mauvaise idée. Attends, viens-moi cet accu, viens-moi ça. Oui, mets-moi une grosse pompe à eau tout de suite. Et ça, c'est vachement prioritaire. Voilà. Et ensuite, mets-moi un accubovitch, comme ça. Yes! Allez, les enfants, on va au traitement de priorité. Super. Ouais, la quantité. Ouais, on est au jus. Yes. Allez, la connexion. Super. Et voilà, tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre, c'est pas magnifique ça? Incroyable. Eh, j'aurais voulu le faire exprès que. Bah oui, je l'ai fait exprès. C'est tuyau, merde, c'est tuyau. Très bien. Donc, maintenant, notre dortoir. À la place là. Nice. Alors, intérêt de placer aussi un dortoir comme ça, c'est d'essayer d'englober, paf, des marchandises dedans. Donc, voilà, tout ce qui sera là à l'intérieur du couloir, en fait, ne se dégradera plus. C'est magnifique, non? Que demande le peuple? Que demande le peuple? J'en ai fait un gros là, je crois. Bon, peu importe. Donc on a 11 clodos, dont 3 biologistes. Alors on risque d'être un petit peu juste quand même en biologiste. Hein. Restons vigilants. Quoi? Pourquoi t'as... Mais va boire. Mais va boire de l'eau. Attendez pas de crever. Est-ce que ce monde est sérieux? Ah oui, ceci donc on presse du métal. Oh, ça va. En vrai on n'est pas à plaindre. Bon, il nous faudrait 3 trucs. Allez, hein. On commence déjà à recycler, mec. Mais qu'on a rien à foutre. Vas-y, cette plante-là, vas-y, je la recycle, j'en ai rien à péter. Recyclez-moi ça, allez. Il y a de plastique à prendre, là. Ah, juste un à sortir, là. Allez, vous allez peut-être m'en sortir un. Soyez gentils. Allez, regardez, hop, là, ça arrive. Ça va pas tarder à arriver. Je vais avoir un petit plastique à me mettre sous la dent. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ah oui, par contre, du coup, dans les installations, j'ai qu'un seul truc qui génère du plastique. Hein. Ça, c'est quand même peut-être un petit peu craignos. On va peut-être se recycler un autre écran dans le doute. Voilà, on va dire que la priorité est là quand même, parce que j'ai l'impression qu'on m'a foutu des plastiques. Voilà, c'est ça. On m'a mis des plastiques là où j'en ai bien rien à foutre pour l'instant. C'est super. Allez, cassez-vous. Nice. Maintenant que vous êtes cassé avec tous mes plastiques, on va remettre tout ça. Superbe. Voilà. On est à fond, hein. Ouais, on est à fond. On est à bloc. La machine est pleine. La machine est pleine. Au boulot, bande de chiens. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. D'ailleurs, en parlant de se dépêcher. Non, ça, je viens de le faire. Ça, je l'ai fait. Je veux atteindre une économie stable, efficace, tout de suite quoi. Moi j'ai pas le temps. On va d'abord accorder ces deux là ensemble. Très bien. Tac.
C'est bien, maintenant vous avez vu les objets entre... Ah si, ils rentrent encore en collision, mais moins qu'avant. Maintenant on a un petit ça bloque, tu vois. Il n'y a plus un... Voilà, là ça bloque par exemple. Du coup c'est plus naturel à la placer. J'en ai mis combien pour 8 personnes là? Ah ouais, non mais je peux mettre un peu plus, hein, parce qu'ils sont 11 quand même. 8... Vas-y, on va en mettre 12, on va mettre un lion rab. Le mec trop grand prince, quoi. Ici ça a l'air de tourner à bloc, hein. C'est bien. C'est pas mal. Pour ce qui est du prochain bioplastac, j'ai envie de recycler. Hein. J'ai envie de dire go dégage-moi ça. J'ai envie de te dire go dégage-moi ça. Et puis on discutera plus tard des conneries. Hein. Voilà, faites-moi de la bouffe ou des bioplastiques, faites-moi des trucs, mais des trucs plus nécessaires que des tables à la con. Voilà. Garde quand même une machine. Par question d'éducation, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. Oh, dis donc, et par contre, ils sont affamés en métal, hein, mes gars. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse en urgence. Pétard. C'est un quand j'ai oublié. Comment ai-je pu oublier cela? Comment ai-je pu? J'ai failli. Oui, j'ai failli. Alors ça, c'est quasiment terminé, donc j'ai presque envie de dire finissez-le, mais... Non, on ferait ça plus tard. Ça, c'est plus important. Yes. C'est un peu plus important. Ah oui, par contre, du coup, maintenant, on a trop de plantes. Ah oui, on pompe trop de jus. Ah, faut dire, là, la base, en vrai, commence à faire une certaine dimension. Ouais. On consomme fort sur la grille aussi. On consomme puissamment sur la grille. Alors juste une question, est-ce que ça, si ça rentre là, non ça rentre plus. Osef, on va essayer de se mettre un truc sympa. Ouais, complètement. Yes, complètement je pense. Alors ça aussi ce sera une priorité, hein, métallique, hein, évidemment, mais je pense que le monde aura compris. Là c'est une toute petite infirmerie, donc ça devrait se faire assez rapidement. On a beaucoup de consommation. Donc ouais, c'est ça. Donc là, on va arriver dans un système où déjà vous arrêtez, parce qu'il y a 6 morceaux de ferraille à transformer. J'ai mis la priorité dessus. J'aimerais bien à un moment donné que ça suive les ordres. Voilà. Donc, cassez-vous et allez faire votre boulot quand je vous le demande. Donc ici, ça attend toujours une ressource, c'est pas bien grave. La pompe en vrai pourrait suffire à elle-même, mais en gros il lui faudrait un petit château d'eau. Alors c'est vrai que je suis plutôt partisan moi du pompiste, hein, et du pompage qui se rapporte au plumage. Mais va pour une citerne. C'est vrai que si pour l'instant on peut temporiser avec une citerne, on est pas mal. Niveau bouffe on est bien. Les soins pour l'instant il n'y a rien qui a été touché évidemment. Là, ce qu'il faut penser, c'est éventuellement laisser de la place pour une autre piste d'atterrissage. Donc, potentiellement, faut refaire un sas. Un deuxième sas ici. Puisque, du coup, notre sas principal est devenu le sas de la mine. Qui ne sert à rien d'autre qu'à miner, quoi. Bioplastique, les gars. Bioplastique, vous voulez pas le transformer non plus, quoi. C'est vraiment. C'est que de temps en temps, vous voulez travailler, quoi. C'est pas tout le temps, pas trop vite quoi. Parce qu'en vrai, on a déjà quoi faire de notre infirmerie si vous sortiez les doigts. Ce qui serait magnifique en fait. Et le biodôme n'a déjà plus d'eau. Voilà. Et quand t'as plus d'eau d'ailleurs, tout se met à l'arrêt ou pas? Ouais, tout se met à l'arrêt. Hein. Je sais pas. Yes, et là, hop, on retrouve du pompage. Yes. Ah ouais, mais non, là, ça va pas le faire, là. Arrête tes conneries, t'es chiant le droïde. J'ai dit, il y a des jambes à réparer en premier.
répare d'abord des jambes. Non, toujours pas. Putain, un jour ils vont y arriver. Ils vont y arriver à être un peu moins cons. Je vous jure. Normalement, la cerderie, ça consommera moins d'eau. On récupère un bioplastique, comme ça j'ai mes deux bioplastiques et comme ça. En plus, j'en ai besoin que d'un seul. Donc, ça serait bien. Ce serait juste bien que vous sortiez les doigts, vraiment. Mais genre vraiment quoi. Je veux bien vous en mettre un là, mais voilà, à un moment donné, vraiment aller bosser quoi. Il reste encore deux métal à transformer, qu'ils n'ont toujours pas transformé, évidemment. Donc je rouvre pas la mine tant que c'est pas fait. Ah bah ça y est, l'infirmerie est faite. Bah vu que l'infirmerie est faite, go. Go les lits medical. Go ranger les médocs qu'on possède déjà. Et puis voilà, on est bien. J'ai pas besoin d'une plus grosse infirmerie que ça. Clairement. Et une fois que tout ça sera fait, il faudra faire notre fabrique de pièces. Parce qu'on va être quand même sur deux structures. Alors bon, pour l'instant on est pas mal. J'ai un peu l'impression que ça se dépasse. Ça s'abîme plus que ça en fait. Hein. Franchement. Il manque un bout de métal, ça se presse. Ok. Personne dedans du coup. Personne n'a remis les pieds. On dit oh, attention, si on y va tout de suite, le mec il va refermer la mine, plus jamais il va l'ouvrir. En vrai, c'est ce qui vous prend au nez. Hein. Yes, et va go. Allez, nouveau panneau solaire. Nouveau panneau solaire, on va être bien. J'ai demandé quoi la ligne citerne ici. Parce qu'on aura, normalement on pompe assez de flotte. J'ai vu en capacité maximale on pompe assez d'eau. Pour normalement faire tourner la taille du biodôme que j'ai, normalement ça devrait être bon. Ça devrait être pas mal. Et là puis ils retournent dans leur trou. T'es sur 3 dedans quoi. Il pourrait s'y mettre à 15, d'ici mettre à 15. Tu pourrais laisser le médecin rentrer dedans, il rentrerait, il passerait ses journées dedans. Ma réserve d'électricité est faible. Ouh. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu finis de me le bricoler ce mec, s'il te plaît. Que je coupe. Heureusement on est le matin, ça va. Alors là ça va charger à bloc. Hein. Là ça va charger à bloc. Nice. Au boulot les poulets. Du coup je peux même réactiver ça. Je peux même réactiver cette zone là. En nourriture on explose les quotas. Hein. C'est ça. Hein. Yes, on est très large dans les quotas. 19 de bouffe, on a 4 plates prêts. Les plastiques on a l'air d'être. Bon. Ça a l'air de bien s'enchaîner. Je vais faire peser une fabrique tout de suite sur le sur l'ensemble. Et je pense qu'on peut. Alors attendez, je vais faire ça. On peut enregistrer la partie déjà. Déjà, parce qu'on l'oublie, mais on peut faire ce genre de truc. Et on peut pré-shot un laboratoire, peut-être même, d'ailleurs, peut-être même plutôt un beau laboratoire. Même si j'avoue, j'en ai pas trop l'utilité. J'avoue, j'en ai pas l'utilité. Vraiment. Après, on est censé accueillir 300 personnes. Ouais. Ouais, vas-y. Asie. Asie, on connecte partout. Asie, on est fou. Je vais encore avoir un mec qui va rester bloqué au milieu comme un con. Ah, j'aime bien, moi, les mecs qui restent bloqués au milieu. Hein. Voilà. Donc, c'est très rigolo. Ils sont... On va peut-être leur faire un petit plumard. Bon, après, ils remplissent pas tous les lits en même temps. Donc, en vrai, je vois pas trop d'urgence de remplir ça. Hop. Paf. Voilà.
Ça pionce. Ah, il n'y a plus personne dans la mine la nuit. Ah non, là je suis un peu triste. Là je suis déçu. Moi je me suis dit c'était le club. C'était vraiment Inda Club quoi. En tout cas, je suis content parce que là ça roule plutôt bien. Vous me direz, parle pas trop vite, calme-toi Denis, ça peut mal tourner à n'importe quel moment. Je vous répondrai, c'est pas faux. Mais je suis pas mécontent. Ça tourne quoi. On multiplie les connexions. C'est vraiment, c'est la map de la multiplication des connexions. Yes. Alors on va faire ça aussi, parce que je veux plus avoir de plantage qui se rapporte au plumage. Je sais qu'on va avoir plus de ferraille que de bioplastique pour l'instant. Ouais, parce que je veux pas forcer l'agriculture plus que ce que nous permet la grille actuellement. Donc là vous voyez, on a quand même une bonne grille. On est quand même à... On est bon, on est quasiment à 7,5. On est quasiment au maximum de ce qu'on peut pomper. Sur la grosse machine, donc vraiment, et on demande une capacité d'humide quoi. Donc normalement, une citerne nous sauverait les fesses, normalement, nous sauverait les miches. Et dans le doute, pour l'instant, ne forçons pas trop tant qu'on n'a pas la citerne. J'ai pas relancé d'accu. On a tout qui est à fond, mais j'ai pas relancé d'accu. Ouais. Va falloir que je me lance un entrepôt aussi, hein, visiblement. Ça va commencer à devenir nécessaire. Bon, j'ai déjà lancé un trop gros chantier en vrai. Hein. Pour ce que j'ai en... Ah ça y est, j'ai encore deux métal. Là, ils sont encore là-dedans. Là, ils sont encore en train de se faire une méga partouze. Métal partouze. C'est la métal partouze. Ah là. C'est bon. Et vu qu'il n'y en a aucun qui a la jambe pétée et qu'on est de nuit, voilà, micro-gestion, un petit peu de micro-gestion. On coupe les structures dont on n'a pas besoin. Donc les lignes sont pas occupées toute la nuit, les classes se libèrent, les mecs arrivent à trouver de la place. C'est plutôt cool, c'est plutôt bon signe. Alors est-ce qu'on a fini la citerne surtout? Est-ce qu'on a commencé à poser quelque chose sur la citerne? Rien du tout. Tout le monde s'en cogne de la citerne. D'accord, ah oui, donc j'ai mis la priorité sur la citerne, mais tout le monde s'en cogne. C'est genre... cognage officiel quoi. Et bon. C'est une belle mentalité. Alors je sais pas si on aura tout de suite des problèmes. Alors je sais qu'on doit donner des technologies voilà, pour bosser avec une fonderie de silicium. Alors oui, je sais plus si 300 de population, c'est 300 de population humaine, c'est 300 de population tout court. Est-ce que quelque part on se fait pas une population de droïdes? C'est vrai que ça pourrait devenir cocasse. Et moi ça m'inspire parce que littéralement, si l'on regarde... Voilà, les brevets qui nous ont été donnés au début, on a le constructeur et on a le foreur. C'est-à-dire qu'on a tous les droïdes. On a tous les droïdes et vu qu'on n'a pas accès au marché, on sait qu'on peut rien avoir d'autre comme technologie. Est-ce que quelque part le jeu nous incite pas à faire 300 robots? Voilà. Moi j'ai envie de dire colonie mécanisée. Hein. Ça a l'air d'être le rêve de toute façon. Qu'est-ce que toi t'as rien à foutre ici toi? Tire-toi. Change de coin, wesh. On a qu'un métal là? Y'a plus rien? Ah y'a plus rien. Ah plus rien. Allez je la réouvre hein. Regardez ce flux migratoire qui arrive. Oh vite la mine est ouverte! Ah chargez! Ah faut les manettes! Ah ils sont que deux, vous serez pas trois dans la mine. Oh là là, alors qu'ils sont que quatre ouvriers hein, donc à un moment donné tu peux pas en rentrer beaucoup plus non plus. Mais eux ils y arrivent hein. Ah ici ils sont trois dedans là. Ils sont trois dedans. Et un sur machine. Alors que la priorité est là-dessus, hein, normalement. Donc, bon, là, il n'y a qu'un seul truc à imprimer, hein, je dis pas, mais. Il est vrai qu'il n'y en a qu'un seul à imprimer, mais bon. Piège, je vais pas lancer la priorité tout de suite, bien que même s'il n'en reste plus que 4. Hein, donc, pas trop déconner non plus. Il en reste plus que 3 maintenant.
Il reste plus que 3. Ouais, c'est pas. Vaut mieux que j'en ai comme j'ai fait dans une partie, dans une des premiers tests évidemment de cette partie que j'ai fait. Vaut mieux que j'en ai 2 qui soient bloqués directement dans la machine et au moins que je sais que j'en ai toujours 2 de près dedans. Que d'être pris à la gorge. Ah, on a une jambe cassée. On a une jambe de bois. Voilà, ils sont chiants là. Ah non, c'est bon, j'ai ma presse à métal quand même qui tourne. C'est pas mal. Donc j'ai du bioplastique qui est déplacé. Donc vu qu'il est déplacé, je vais en profiter, je vais poser un lit supplémentaire. Parce que je suis pas pressé de faire mon sas d'entrée, c'est pas. C'est pas ma priorité. On a 6-6. Si, si. Wesh. Point 06. Je pense que quand CR1 passera l'arme à gauche, je construirai mon parc à droïdes pour honorer sa mémoire et lui permettre d'obtenir des descendants à titre posthume. Voilà. Amen, bien sûr. Excusez-moi, j'ai oublié d'ajouter le Amen. Très bien. Ou le Inch'Allah, enfin. Ou Shalom, enfin bref, vous foutez ce que vous voulez au bout. Faites pas chier. Mais voilà, c'est en train de dire. Un joli reflet de la montagne, quoi. Mais. Ah non, c'est du plat. C'est bizarre. Est-ce qu'en fait. C'est un reflet de la terre qui est à droite, là? Mais ouais, je sais pas. Enfin, l'angle fait que c'est bizarre, t'as plus l'impression que c'est une montagne. J'ai rien dit! On dirait que c'est la drogue, hein. N'oubliez jamais, la drogue c'est fantastique. C'est un peu comme le bioplastique. On va se faire ça. Alors, non, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de prioriser ça? Réponse non. Moi, ce que j'ai plutôt envie, c'est de prioriser un autre accu. Ouais. Un autre accu. Alors, les accus, on peut se permettre de les mettre un petit peu loin. Voilà, toujours. Maximisons les connexions. À fond les manettes, voilà. Donc là, normalement, toi, t'es censé commencer à te remplir un peu, non? Ouais, ça se remplit doucement, parce que du coup, on a une grosse demande en eau. Eh ouais, j'ai pas fini. Ressources médicaments épuisées. Oh. Oh, méfiance, hein. Méfiance, méfiance. Ouais. On va mettre l'accent là-dessus un peu. J'ai quand même qu'un seul médecin. Ah ouais, j'ai compris qu'on n'est plus de médoc. J'avais bien saisi le concept. Il va me finir son ça, c'est ça? Ah non, c'est bien. Bravo. J'aurais presque pu péter. Ouais, mais non, parce que ça m'oblige à péter tout le laboratoire. Oxygène 21%. Pourquoi? Ah oui, parce qu'on est de nuit. La nature pompe un peu de jus. La nature pompe un petit peu de jus. Oh là, l'entretien est maximal hein, ici. Hein. On est assez opti sur les biologistes. Hein. Oui, je sais. On est franchement au petit. Par contre là on n'est pas au petit, c'est sur la. Ah, c'est ça, c'est sur la production de. C'est sur la production de plastoc un peu quoi. De plastoc, je m'entends. De fécule. Presque envie de mettre la serre de maïs également. Et faire sauter un arbre. Tu vois, genre je recycle un arbre à la con. Ouais,
Moi j'ai pas ce qu'on veut dire, si on veut faire bien les choses. Regarde, je te garde toi. Voilà. Je mets lui là, parce que c'est le gros style. Toi je te mets là. Alors si on veut vraiment bien faire les choses, j'enlève le pain. Je mets le pain dans un coin. Et je mets lui là juste au milieu. Ça les sont. Moins il marche, mieux c'est. Plus c'est opti. La citerne elle est faite, elle est remplie. Ce qui fait plaisir. Que c'est bien, à partir de là, va pouvoir faire son travail et commencer à absorber. Il ne manque plus que du plastox. Alors ça, c'est assez cocasse que de nous dire qu'il nous manque plus que du plastox, c'est quand même assez cocasse. On n'a plus de métal. Donc les mecs, en fait, attendent plus que du bioplastique. J'ai envie de dire, pendant ce temps-là, vous pouvez aller bosser ici. Hein. En attendant votre prochain bioplastique que voici et que donc on est en train de me faire. Donc j'aurai mon laboratoire. Ah. Il y a urgence. Voilà pourquoi en fait je voulais me faire un deuxième. Voilà pourquoi je voulais quelque part me faire un deuxième extracteur d'eau. Là pareil, quelque part ça a été une faute aussi de ma part. J'ai construit une. Quelque part, là, je viens de faire une erreur en faisant une base assez compacte. Alors, je l'ai fait assez compacte parce que du coup, j'ai pas de multiplication des bâtiments. C'est-à-dire que le mec qui bosse là-bas, il faut qu'il traverse tout ça pour venir ici. Après, tout est plus ou moins en sens logique. C'est-à-dire que quand il est là-bas, hop, il revient ici, il boit, il mange, et hop, et après, il peut aller dormir. Mais voilà, normalement, j'aurais dû étendre au maximum. Je peux pas mettre de. Alors, ça, pareil, c'est chiant. Pourquoi je peux pas mettre de priorité là-dessus en disant, mec, vite, va réparer quoi. Genre que tu meurs en réparant. Non le mec quand je serai chaud. Comme d'habitude c'est les ingénieurs ça, quand je serai chaud. J'espère que les ingénieurs IRL dans la vraie vie vous êtes pas comme ça hein, parce que sinon je vous déteste hein, j'annonce hein, j'annonce tout de suite. Sans la TH. Sortez de là quoi. Ah vous êtes inferno quoi, c'est vraiment. Super, j'aimerais bien qu'on finisse ça, vraiment. J'ai vraiment la priorité pour moi elle est là-dessus quoi. Ok, donc pour moi la priorité elle est vraiment là quoi. Yes, hein, y a déjà un plastique ici donc il m'emmerdera pas. Voilà, prenez le dernier. Allez le livrer. Je le mets pas dans cette machine là. Yes, cool. Voilà. Puis après, du coup, ils pourront commencer à alimenter cette machine. Qui, pareil, normalement, est prioritaire, mais toujours pas alimentée. Bon, pour une fois, ça m'arrange. Qu'ils aient oublié de l'alimenter, ça m'arrange un peu. Après, je vais mettre l'accent sur la queue. Parce que voilà, là, on pompe même plus énormément de courant. On en génère énormément, donc ça c'est quand même cool. Donc idéalement faut toujours générer 4 fois ce que vous consommez. Ça vous êtes à peu près tranquille. Si jamais vous faites un peu de développement et tout, même si la nuit n'est que 2 fois plus longue. Là par exemple je génère 4 fois en sachant que j'ai des machines qui tournent pas, donc quand elles tournent pas elles consomment moins. Que t'es pas à l'abri que pendant la nuit du coup elles se mettent à consommer. Voilà, que tu t'étendes et que donc pendant que tu t'étends, bah en fait tu calcules pas le coût que ça a en plus, que tu zappes le coût que ça prend. Donc voilà, vaut mieux avoir un petit peu de rab, hein. C'est toujours pas plus mal. Moi ouais, voilà, au moins 4 fois, je suis tranquille quoi. 4 fois 4, 16, hein. Grosso et merdo, hein, j'ai 4 fois. Hein. Pas... Dans le détail, j'ai pas 4 fois. Ok. Et bien voilà, nous y sommes. On verra si... Ouais, ils s'en sortent bien avec leur truc. Ouais. Ouais, on peut leur faire ça, ouais. Voilà. 3 trucs de viande, 3 trucs de viandasse. On est déjà bien. Ok,
Il nous reste plus qu'une pièce là par contre. Hein. Plus qu'une pièce détachée, ça devient craignos. Hein. Oh, vous êtes chiant, sortez de là. L'autre elle a peur de se faire attraper, elle a fait vite. Vous savez, le gars il a vu qu'il y avait personne sur la machine, il a fait vite. Cassons-nous. Voilà, je veux bien la réouvrir maintenant qu'il y a quelqu'un qui presse du métal. Voilà, ça va nous sortir un bout de métal. Voilà, qu'il est content. Yes, il est content. Non, cassez-vous, cassez-vous, ça y est, je vois tous en train de vous ramener. Barrez-vous d'ici. Barrez-vous, bande de cons. Con de mime. Ouais, on fait du poulet. On fait du cochon. On prend du bœuf là-dessus. Allez-y les gros, là, il y a du plastique en plus à plier, il y a des tas de trucs à faire. Réserve d'énergie faible. Ah, donc voilà, donc là on commence vraiment à consommer beaucoup. On est sur le matin. Alors c'est pas qu'on consomme beaucoup, c'est qu'on accumule plus rien. Donc ça devient problématique. Et en plus vous avez vu, on a une petite variance d'énergie en fonction des machines qui tournent. Donc méfiance, hein. Méfiance, donc deux métal, donc là il nous reste deux trucs à transformer. Il faut les transformer, allez. Allez, allez. Faut toujours les mettre dans l'espace le plus prioritaire. Allez, vas-y, je vous ouvre votre mine. Votre mine de ces morts là. Ils s'y retournent. Je les déteste. Je les déteste. Ah, il y a une petite connexion à faire ici au passage. Faudrait que je la fasse. Faudrait que je la prenne. Allez, faut presser ce dernier métal sur une connexion. C'est pas grave du coup. Et bah voilà, du coup c'est pas grave. C'est pas vital puisque bah, on a tout le circuit qui est là. On dérive du ciel. Bon, par contre, là le jeu arrête de te foutre de ma gueule quoi. Là par exemple, par contre, le jeu vient de décider de me couper le circuit. Clairement, il m'a fait un petit effet coupe-circuit tranquille. Mais quelque part, c'est de ma faute, c'est-à-dire que si j'avais fait une dérivation de ce côté-là, ça serait passé. Hop là. Donc là, il va falloir fermer quelques trucs en attendant qu'un ingénieur se décide de se bouger le boule. Merci, on vient réparer ça. Donc, il ne nous reste plus qu'une pièce. Voilà, il va falloir commencer à presser voilà, du métal. Alors, je sais plus si vous pressez le dernier métal pour ça, parce que vous avancez tellement pas que c'est ça, vous êtes en train de presser ce métal-là, je vous déteste. C'est super, donc on a plus de pièces de rechange, tout à fait, voilà. C'est exactement ça. Quand on est en surcharge de bioplastique, enfin surcharge de bioplastique, c'est un bien grand mot. Mais disons qu'on a durable en bioplastique. Ce qui est pas mal. Non, c'est pas ça que je veux. Vas-y, mets-moi un lilas de toute façon. Voilà, clairement, voilà. Réactive le truc, vas-y, fais-toi plaisir. Faites-vous plaisir, c'est pas un souci. Ça y est, c'est bon. Ils sont en train de presser ce qu'il faut. Ici, on va pas gêner non plus, on va se mettre une deuxième presse à métal. Ouais, vas-y, on va faire un 50-50 pour l'instant, c'est très bien. Bah, vu qu'on pareil, on a du bioplastique en rab, c'est peut-être le moment de se placer la deuxième table. Hein. De quoi ranger de la nourriture pour pas qu'elle se dégrade trop vite non plus. Une petite plante pour les copains. Voilà, petite plante pour les copains comme on dit. Si on le dit pas en fait, moi je le dis, donc voilà, merde. Et voilà. Un petit BFM TV au petit déjeuner. De la peur dans ta gamelle. Du terrorisme. Allez, profite, bonne journée à toi. Au moins tu seras heureux de savoir que tu es bien là où t'es. Puisque probablement qu'on doit être en train de te dire, mec, sur Terre, c'est la 76e guerre mondiale qui se prépare. Alors qu'on avait dit plus jamais, lol, n'est-ce pas ? Bref, un classique de l'humanité, si l'on peut dire.
Ah oui, non, en fait, ils ont pas utilisé mon métal. D'accord, ils l'ont envoyé là, en fait, mon métal. Ok, bon. S'ils veulent, hein, c'est pas un souci. C'est pas un trop gros problème. Hey, dodo, les enfants, dodo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lits, on peut le 10 qui peuvent dormir en même temps. Donc, il y en a un qui ne peut jamais dormir. Qui doit être probablement dans une mine. Vous êtes des clichés, mais vous êtes tellement des clichés nains, c'est incroyable quoi. Heureusement que je fabrique jamais de taverne parce que sinon vous y seriez. C'est tellement des clichés, c'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment moche. Hein. Tac tac tic tac tac. Donc on a ça. Ça avait pris un impact. On a mis un accu ici. Idéalement, il faudra un deuxième accu. Ah oui, non, par contre, vraiment, non, non. Oui, enfin, putain. C'est prioritaire ça, c'est prioritaire, vous saoulez le monde, c'est prioritaire, qu'est-ce que... Bon. Je crois qu'à ce stade-là, merde, je crois que c'est le mot. La réserve d'électricité est basse, mais en vrai, ça devrait aller. La nuit touche à sa fin, on est bien. Ouais, par contre, ouais, faut vraiment que je vais annuler ça, comme ça je vais être sûr que le métal va là où je veux qu'il aille d'ailleurs. Hein. Ça serait bien. Allez, presser de la tôle. Presser de la tôle. Vous voulez pas presser de la tôle, hein. C'est vraiment. C'est vraiment un truc qui vous emmerde. Yes, la tôle a été pressée. Oh, quelle ouvrière modèle. Bravo Sissi. Sissi, depuis qu'elle s'est cassée une jambe, elle a fait non à la mine. Et elle s'est dit, ah, je vois du métal, je presse du métal, moi. Moins j'y vais, mieux je me porte. Ça, c'est bien. C'est une belle mentalité. Parce que là, avec tous mes nains, là, qui ont peur de la lumière du soleil, on va finir par croire que vous êtes des nains vampiriques, quoi. Ça va se voir, quoi. Méfiez-vous. Yes, donc maintenant, on a un accu qui tourne. Allez! Là, on prend un poumon. Là, on se prend un petit poumon en réserve d'électricité. Donc, même si voilà, ça n'a pas été très longtemps. Parce que le soleil est déjà en train de décliner là. Pif, paf, pouf. Attends, on l'a quasiment chargé à 50%. Quoi? On l'a chargé à plus de 50%. What? Ah, ça y est, on est en négatif. Ah, ouais, on le charge bien, on le charge vite quand même. Hein. Avec nos deux panneaux solaires, on tourne vite, on tourne fort. On tourne fort vite. Moi, je sais pas si j'ai besoin d'en mettre un autre en vrai. Parce que ici, ouais, ils veulent pas primer du bioplastac, mais ils pourraient quoi. Par contre, ce qu'on peut se faire, voilà, c'est un petit deuxième comme ça là. Voilà, on peut s'en faire un petit deuxième comme ça, et puis. Est-ce que c'est vraiment urgent de faire ça bon, en même temps, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'urgent? Aux gens d'y dire, vas-y, go, fais ça. Hein. Vas-y go, voilà, vous ferez ça à l'occasion quand ça vous pètera. C'est pas pressé. On n'est pas dans l'urgence. Non, arrêtez vos conneries. Arrêtez-tu. Hop, et on fait construire une dérivation du réseau. Popopo, on est un fou, on est un fou. Tout ça en prévision de la piste d'atterrissage en me disant j'aurais peut-être plus de mineurs ou du département des droïdes où j'aurais effectivement bah, plus de mecs quand même donc pourquoi pas. Je vais quand même me construire une piste d'atterrissage pour j'ai envie de dire pour les urgences, j'ai envie de dire pour les coups durs, genre vraiment je me fais taper une météorite sur quand tout le monde dort, je vais avoir besoin de mecs donc
Donc bah du coup faut que je crée des systèmes de remplacement des types. Hein. Bon même si comme on l'a vu on n'est pas à l'abri qu'une théorie, une météorite, enfin un jeu de mauvaise foi, t'éclates ton dortoir pendant que tout le monde est dedans, et t'éclates ta piste d'atterrissage et tu peux plus rien recruter, merci, au revoir, t'as perdu. Wouh. Alors j'ai envie de dire quelles sont les probabilités qu'un jeu te déteste aussi fort. Je sais pas, mais en tout cas elle existe cette proba. Donc méfions-nous finalement. Ils ont commencé à poser du métal où du coup? Ah, je peux pas avoir la petite connexion là? Si, il est en attente. D'accord, ils ont construit ça, ok. Un seul métal en presse. Vous carburez pas tant que ça hein, les mecs hein. Doc non plus tu carbures pas tant. Ah mais Doc tu peux pas du tout carburer en fait. Ça et je t'ai prévu de carburer. Je t'ai privé de carburant en fait. J'avais zappé ce détail. Ce qui d'ailleurs en parlant de détail me dit que j'ai pas de deuxième pompe. Ça me fait penser que j'ai pas de deuxième pompe. Alors que ça pourrait être sympa d'en avoir une. En tout cas, cette colonie, pour l'instant, elle va pas mal. Hein. Ça roule. Ça roule, quoi. Faut pas se mentir, ça roule plutôt bien. Bon, même si là, s'il pouvait y avoir un biologiste de plus, visiblement les gars diraient pas non. Mais voilà, là, vu qu'on est très large là-haut, peut-être pas non plus crier au scandale. Ça devrait aller. On a deux presses pour les pièces détachées, on est très large. Très bien. Voilà, on va avoir nos quatre pièces en réserve. Nos machines, on est bien comme ça, même si on se prend un météore, on est cool. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire, on peut dire un météore ou une météorite, c'est masculin ou féminin. Je sais pas s'il y a une utilisation exclusive pour l'un ou pour l'autre. Genre, si c'est un météore, c'est plus gros qu'une météorite ou vice versa, j'en sais. Voilà, question bête. Si vous avez la réponse, vous pouvez la marquer dans les commentaires. Ça fera des commentaires intelligents. Pour une fois sur YouTube, ça serait tellement rare. Vous vous rendez pas compte, hein. On parle du YouTube game. C'est fou. Hein. En tout cas, il y a de la biodiversité dans les repas. Les machines, elles dégueulent. Ça... Ah oui, d'ailleurs, c'est en train de se bousiller. Ah ouais, il va falloir que je fasse un dé... On va peut-être se lancer dans un grand dépôt. Alors, c'est l'histoire d'un grand dépôt. Les fabriques, les machins... Alors j'aurai jamais plus gros, donc de toute façon ce sera comme ça ou rien. Je pense qu'à côté de ça... Ah, sécurité. Avant de se lancer sur du droïde, de la sécu, ça serait pas mal. Alors sécurité non plus, hein, j'ai pas besoin de grand chose. Alors pareil, hop, on multiplie les connexions. Toujours bien. On peut rentrer une paillasse ici. Ah, le jeu a l'air de vouloir dire non. Il a l'air de dire ici une paillasse, tu ne rentreras point. Bon, voilà. Mais on pose des équipements ici et là. J'ai envie de mettre l'accent sur la piste d'atterrissage, mais je pense que... Les gens vont comprendre tout seul qu'il faut la boucler, je pense. Là, ici, c'est plein. C'est plein. C'est pas plein. Oui, bon, mettons l'accent dessus. Allez. Si en vrai c'est pas plus prioritaire que ça. Si, il faut la faire. Il faut la faire puisque justement c'est au cas où on aurait des problèmes. Donc il faut la faire. Alors on pourrait faire un autre sas, mais je pense pas que ce soit utile. À moins que je puisse faire la grande piste d'atterrissage et que ça me permette d'avoir accès quand même à des routes commerciales.
Avoir quand même accès à un commerce, parce qu'il est possible que j'ai pas accès au commerce sur la petite, mais que j'ai accès au commerce sur la grande. Mais bon, à mon avis, vu le niveau de difficulté annoncé par le jeu, c'est-à-dire suicide, je pense que. Excusez-moi. Je pense que c'est mort, je pense qu'on aura accès à rien. On va avoir du médicament, ça c'est pas mal. Ouais, bon, finissez-moi cette piste. Je referais bien rentrer un biologiste ou deux quand même. Avec peut-être un ou deux ouvriers pour aller bah, toujours plus vite quoi. Toujours plus. Ce serait vraiment juste pour accélérer la cadence. Parce qu'en repas, on est large, large, large. Et que ce qui nous empêche d'être plus large en bouffe, c'est que déjà on n'a pas d'entrepôt, donc tout se bousille hein, très très vite. Faut pas l'oublier, c'est-à-dire que si là on me dit ah ouais mais les légumes ça a baissé, c'était à 20 tout à l'heure, hein, mais c'est parce qu'en fait ils pourrissent sur place, hein, donc ça finit à la benne. Et que le problème c'est que pareil, l'intelligence du jeu fait que les mecs vont pas forcément chercher les denrées les plus abîmées, ils vont chercher la première à portée de main, quoi. Ce qui fait qu'on a encore des faibles qui sont là depuis tout à l'heure, ou des très faibles qui sont là depuis tout à l'heure, ils sont toujours là. Ah, ça passe de la tôle. C'est bien les enfants. Vous avez décidé de bosser, c'est impressionnant. Ah, notre dernier bout de métal pour la piste d'atterrissage. C'est parfait, c'est terminé. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On est passé à 50 entre deux hein, sur la grille. Hein. Par contre, vous pensez pas que c'est prioritaire ça. La fonderie de silicium. Vous avez jugé que c'était pas prioritaire. Bon, après, moi. Je m'en fous, je suis pas pressé. Pareil, la deuxième mine, vous avez pas jugé que c'était prioritaire. C'est étonnant. Ça m'étonne de la part des ouvriers en fait. J'étais pas prêt psychologiquement. Ah, toi, faire peut-être des petits réglages. Ouais. Ou alors. Ou alors ça, et on dit que c'est bien. Parce qu'on a que 4 biologistes. Moi j'aime bien avoir beaucoup de biologistes. J'aime bien en avoir beaucoup parce que si jamais les gens crèvent de faim, c'est que c'est de ma faute, c'est que j'ai pas mis assez d'installations. Voilà, donc ça me va. Mentalement et moralement ça me va bien. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh ben un biologiste, c'est parfait. Allez. Moi ça me va, c'est nickel. Et hop là. Et la choupette elle arrive, parce que c'est encore une choupette. Voilà. Et choupette elle arrive. Et elle se nous fait un petit steak de cochon. Petit saucisson, hein. Saucisson jambon ce soir. Voilà. C'est la grosse ambiance, très faible, hein. Ouais. Donc voilà, le robot prend toujours par flemmardise ce qu'il y a de plus proche. C'est plus. Il faut presser du bioplastique en permanence, hein, par contre. Hein. Quantité de bioplastique demandée, enfin possiblement transformable, là ça y est. Hein, ça y est, on est vraiment dans les grandes largeurs. Hein. C'est lancé, hein. C'est officiel. Ah bien que pas tant que ça, hein. Le médecin il veut encore du bioplastique. Hein. Allez les enfants. Faut presser du plastoc. Ah, ils envoient tout à la construction. Ils veulent leur dépôt. Hein. C'est bien, ils sont. Quelque part, moi c'est intelligent, je me dis, c'est bien. Les mecs se disent, les gars, y a plus de place, au secours, qu'est-ce qu'on fait quoi? Un ingé et un ouvrier, c'est très bien. C'est très très bien. Qui fonce à la mine direct, hein, même pas ils rentrent pour dire bonjour aux gens. Il sait que les vrais gens sont dans la mine.
super spectacle d'ailleurs de Kuran. Alors, je vous invite à regarder avec les bons gens et pas les bons gens. Je pense que c'est les bons gens et puis tu penses que c'est pas les bons gens. Il est bien ficelé son spectacle. Je trouve cool. Donc Kuran, hein, le mec de la série qui a fait Bref. Hein. Voilà. Pouette, 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 pouette. Plus que 3 métal, hein. Putain, ils auront bossé là-dessus. Hein. Ils auront donné tout ce qu'ils ont. Paf! Eh, ça y est, tu n'as plus besoin de plastique dehors, les gars. Vous pouvez commencer à en distribuer ailleurs. Hein. Vous pouvez commencer à en donner à notre médecin qui attend ça depuis tout à l'heure. J'ai eu deux paillasses d'ailleurs, au cas où des gens ou des robots voudraient charger les paillasses avec des plantes ou des trucs. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Ouf. Oh, on a la max. Ouais, ouais, je pense que là on a la max. Ouais, ingénieur, on en a 3. Franchement, on peut mettre en pause. J'ai mis quoi? Ah oui, le centre de contrôle. Ah oui, centre de contrôle. Non, on va réouvrir. On va réouvrir, sauf qu'on va prendre du garde. On va remplacer par 20% de garde. Bah non, je suis couillon. Oh merde, 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 voilà. Mais non, mais. Oh, ça me soulasse. Voilà. Non, mais c'est 10% de ça, c'est 0 de ça, c'est un certain nombre de ça, c'est un autre certain nombre de ça, et voilà. Ah oui, mais sauf que c'est ça, et c'est ça. Ça, comme ça. Voilà, merci. C'est bon pour le réglage? J'espère qu'il m'a envoyé les bonnes choses. Hein. Il va pas envoyer les bons gens. Ok. Merci, mec. Mais bon, c'est pas grave, hein. Tant pis, hein. On prend quand même. On commence à avoir moult plastiquerie. Ok, faut faire une deuxième. Faut faire une deuxième presse à Plastoc. Yes. J'ai peur que ce soit la dèche en nourriture, donc on va se relancer des petits postes de bouffe. Poste de bouffe, ça passe pas ici, par contre ça passe là. Est-ce que ça passe ici? Oui, ça passe là aussi, et c'est excellent, excellent. On va pouvoir se remettre les trois types, très très bien. Par contre je crois qu'on va être bon aussi pour se taper un nouveau dortoir, hein. Je crois qu'officiellement va falloir. Alors on donnera l'occasion de se servir du bleu plastique, c'est ça qu'il faut se dire. Ça c'est du bœuf. Dortoir, bon, par contre, ouais, on va pour un gros. Ah. Non, je vais te mettre comme ça. Yes. Deux biologistes. Génial. Ah non, un chef de la sécu. J'ai eu un Sécuman. Ça y est, j'ai Sécuman. Yeah, j'ai un Sécuman. C'est parfait. C'est bon. Avec un biologiste. C'est parfait. Oui, et puis bah, ça sera du cochon. Ça, c'est du poulet. Voilà. Et bah, c'est très bien, mes poulets. Un seul médecin, un seul chef de la sécurité. Ça me va très bien. De toute façon, c'est des mecs qui servent à rien. On va pas se mentir. Sauf qu'il y en a un qui va me permettre de désinquer du caillou de l'espace. Donc. Donc résultat, il est pas mal. Résultat, on l'aime bien. D'ailleurs, ça tu peux me le mettre hors tension. Faire des économies de jus. Même si clairement, on en a pas besoin de faire des économies de jus. Petit sas dans ta face, comme on dit. Non, on dit pas ça. Bon bah écoutez, moi je le dis. Par contre, on a plein d'ouvriers, je crois. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, j'aimerais savoir si en coupant la piste, il continue à se ramener. On a 8 ouvriers, une seule mine. 8 ouvriers. Je suis étonné qu'elle soit pas pleine en permanence.
Je suis assez étonné. La bouffe, ça a l'air de tourner sans problème. En mode easy life. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quand même un truc que j'ai pas planté. On va virer un pain. Et on va se mettre le dernier légume qui doivent être les champignons. C'est pas mis de champignons. Donc c'est parti. Va pour des champignons. De toute façon, on se refera une. Sûrement un biodôme, parce que je suis très fan des biodômes, faut pas l'oublier. Je suis un grand fan. Inconditionnel. Peut-être un gros là d'ailleurs, avec juste une salle d'oxygène derrière. Ou non, parce que lui, je viens de faire un dortoir ici. Ouais, donc pas avec plus. Hein. Par contre, ouais, j'aurais peut-être pu mettre une deuxième. Oh. Oh. C'est pas trop grave. Ça, par contre, ça peut être intelligent. Yes. Vous avez mis la priorité sur le grand dortoir. 2, 4, 6, 8, 10. Non, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 12. Vous pouvez dormir à 12, vous êtes 22. Oui, bon, oui. Oui, non, ouais, non, vous avez raison. Bref, ouais. Ouais, ouais. Bon, après, ça, c'est vite bouclé. Hein. Voilà, c'est ça, il manque un métal et c'est bouclé, quoi. Là, il en manque 3. Oui, on va mettre la priorité là-dessus. Ça, on aura plus de mecs dans les mines. Ce sera très bien. Je leur ouvre des mines. Hein. Ils ont fait du bon travail. Finalement, je leur ouvre les mines. Je leur réouvre les mines. C'est parti. On est déjà en rate de midoc. Hein. Ça va vite. Réserve d'eau critique. Ah oui, plus de monde, plus de plantes. Réserve d'eau critique. Yes, on a plus d'eau. Ok. Ok, ok, donc on a plus d'eau. Schéma alternatif, c'est parti. Alors ouais, j'avais vu un monde. Voilà, c'est ça. J'ai vu un monde. Voilà, ici, on peut plus... Ok, très bien. On peut plus connecter en haut. Yes, 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 calmez-vous, c'est bon, j'ai compris. Compris qu'il y avait un ensemble de problématiques qui se posaient à nous. On consomme du 64. Donc on produit plus que 3 fois, 2 fois ou 3 fois à peu près ce qu'on consomme. Donc là on commence à arriver à un stade qui peut appeler à être dit critique. Voilà, ça y est, voilà, paf, voilà, j'ai ouvert une deuxième mine, là ça y est, ils sont lancés dedans, ils sont 5 dans les mines. Ils ont pété un plomb, tout va bien. Ils ont grillé un neurone. Ils ont pété une durée, ils ont fait ah, deux mines. Vite. Ils sont cons. Mine se vide, elle se remplit tout de suite quoi. C'est. Tu sais, même pas le temps de se vider quoi. Ah, vite, vite, putain, remplis la mine, mec. Regarde, la mine est pleine. Les deux mines sont pleines, il y a 6 mecs dedans. Vite, avant qu'il y ait plus de jus. Vite. Les mecs, ils sont possédés quoi. Ils sont possédés par les mines quoi. C'est vraiment un truc qui les possède à fond quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. En termes de pièces, par contre, on est. On est. Faut rester vigilant. Hein. Ça a l'air d'être la fête, mais faut rester vigilant en vrai. On commence à poser du métal n'importe où, donc non. Moi, j'aime bien finir les choses, donc on va finir ça. Il reste que 3 bouts de métal à mettre dessus. Vous seriez charmant voilà, de terminer le projet. Biologiste qui bosse même plus, qui transporte des bouts de métal. Voilà, il fait même des allers-retours avec parce que ça l'amuse énormément. Et tout bien considéré, il s'est dit oh, allez, ça va dans la machine à faire des pièces. Ce qui est pas inintelligent puisque il y en a plus. Il y en a plus, il y en a plus, donc c'est parti. Il y en a deux de plus qui vont être faites. Très bien. Réserve d'eau critique à nouveau. Yes. Yes, yes, problème. Ah là là, on peut plus manger, regardez, on meurt de faim là. C'est fini. C'est fini. Alors c'est juste la... le biodôme à chaque fois qu'il tombe. Parce que le biodôme, c'est une pompe à eau à lui tout seul, quoi, en fait. 2,75, c'est-à-dire que si tu pompes pas de ouf comme là... voilà, ça, en fait, le problème, c'est que le biodôme, vous voyez, c'est au moins la moitié de ça. Puisque là, on pompe du... on pompe du 4,30. On est sur du 6,25 de... 6,75 de consommation. Et donc lui là il peut plus pomper mais il est déjà à 2,75 là en mode mort. En mode mort, en mode il n'y a plus rien qui tourne.
2,75. Non, il consomme du 2,75. Et avec toi, on est à 3. Voilà, c'est ça. Juste la bouffe, en fait, ça consomme la moitié de la base. Voilà. Mais c'est les deux ensemble qui consomment la moitié. Ça va, ça va. En vrai, ça va. Ok, on arrive à remettre un petit peu d'autre côté à nouveau. Ça va. En vrai, ça va. Puis c'est tellement pas la crise. Hein. Il est vrai qu'on est tellement pas urgent en termes de crise. Ouais, l'oxygénator, ça devient urgent. L'oxygénator, ça commence à devenir urgent. Donc. Mettre deux derniers dortoirs. Tant pis. La réserve d'électricité est critique. Ok, oui, ça va couper. Eh bien, ça va couper. Ah, et puis l'oxygène va tomber très très vite aussi, faut se méfier de ça. Du coup, ah, j'aurais jamais besoin de plus de 2 lits. Truc à médoc, on prend bien plus que ça. J'ai qu'un seul médecin. Votre réserve d'eau est basse. J'entends. Le biodôme n'a plus d'eau. Again, oui, again and again. T'inquiète pas, ça va arriver. Je voudrais juste finir quand même mon accumulateur. Parce que moi, les coupures de courant, je suis pas très fan. Je suis pas très fan des coupures de courant. C'est pas mon truc. Ça fait longtemps que j'ai pas consulté la grille. On est à combien? Ouais, ça, on fait pas trois fois. On fait pas trois fois ce qu'on consomme. Étant donné que la nuit est au moins deux fois plus longue. Faut se méfier. On accumule plus très vite non plus, hein. Ouais, on accumule plus assez vite. Ouais, il faudra un autre panneau solaire. On n'arrive plus à charger les trois. Il faut un autre panneau solaire. Bon, c'est pas grave, on va faire un autre panneau solaire. Hein. Il n'y a pas d'embrouille. Ah, vous pouvez genre connecter un truc. Genre comme ça, quoi. Oh la blague. Vas-y, je le fais. Pouf. Pif paf. Et là normalement on est censé mettre voilà une grande piste en plus par ici quoi tu vois. Un truc démentiel. Ah oui mais attends faut que. Ouais parce que je fais tout ça mais je suis en train de me tirer une balle dans le pied là. Si je me remets pas un biodôme avec une salle d'oxygène, je vais essayer de caler la salle. Ah mais là je vais détruire un truc si je le mets là. Alors attendez, il y a embrouille. Il y a embrouille. Il y a embrouille. Faut que je me mette la grande piste ici d'abord. Taras. D'abord que je me remette toi. Là. Ah mais Taras, je te dis. Après, faut pas mettre normalement les structures trop loin comme je l'ai dit, mais. Ah, vu que mon panneau solaire va tout de suite se retrouver un peu loin. Voilà, tu vois. Là. Ah, il est tout de suite un petit peu loin quoi. Yes, donc là normalement, non pas ça, toi. Oxygène sale. Le respiratorium. Et le biodôme, disait-on. Toutes ces coupures sont en train de me saouler. Le biodôme. Ah, le problème, c'est que je fais mon panneau solaire que là-bas, quoi. Faudrait que j'en fasse un plus proche, rapidement, là. Genre comme ça.
On a plus d'eau. Oh, on pompe que dalle. On a vraiment zéro flotte là. C'est critique. Ouais, c'est critique, mais ça tiendra, hein. Ça tiendra ce qu'il faut que ça tienne. D'ailleurs, tiens, une petite sauvegarde, ça faisait longtemps. Bon, bah, y'a qu'à rouler, hein. Après, il est vrai qu'une deuxième pompe, ça ferait pas de mal, là. Ça nous éviterait de mauvaises surprises en cas de conflit d'eau rapide. Bon, après, normalement, là, avec deux mines, le métal, ça devrait commencer à rouler, là. Hein. Après, il est vrai que, bon, voilà, j'ai fait, je suis en train de faire de la duplication d'infrastructure, ce qui n'est pas forcément très très malin de ma part, puisque j'aurais pu aussi... que m'embêter à faire voilà de la duplication de trucs, arrêter d'aller aussi loin et juste partir sur de la robotique. Mais j'aime bien être sûr. Duplique mon... Oula, ça tombe pas loin leur truc. Hein. Non, moi j'ai envie de le mettre là, je suis complètement d'accord. Voilà. Multiplie les trucs et les machins. Plastique, hein. Ouais, on a compris qu'on avait du plastoc. Hein. C'est rigolo, chaque fois que j'efface le message, il me le remet. Comme si tu faisais un... Comme si tu relançais, en fait. Ouais, ça coupe longtemps, ouais. Et pendant ce temps-là, on peut pas produire d'énergie, de métal. Yes, on charge pas assez vite. La réserve d'eau est déjà critique. Oh. Allez les poulets, faut envoyer. Faut envoyer, faut envoyer. J'ai pas envie de recycler quoi que ce soit, ça me gonfle. Quoi que je pourrais te recycler toi finalement, parce que tu sers pas à grand chose. Puisqu'on est en situation critique tout le temps. Allez. Allez, on récupère deux métal ici, ce qui m'en manquera donc plus qu'un, normalement. Si le jeu est un tout en soi peu intelligent, pareil, j'ai envie de te supprimer toi pour te dire récupère le bout de métal et mets-le ici quoi, et on n'en parle plus. Et j'ai mon éolienne, et dépêchez-vous. Les journées se sont raccourcies, y a pas moyen là. Oh là là, on a que un accu et demi là. Oh, on attaque la nuit avec un accu et demi quoi. Oh là là, la crise. Ouh là, la vraie crise. Oh là, la belle bleue. Alors non, vous avez quitté cette salle, vous avez quitté cette salle là. Barrez-vous d'ici. Celui-là, je vais le garder, il est à 95%, on va peut-être le garder ouvert. Ça c'est ouvert, ça me va. Ça ici, bah, on va fermer, on va couper. On va couper momentanément, là où on n'a pas besoin. Voilà, on va couper un peu. Il faut redescendre la consommation de cette base. Déjà plus de flotte quoi. C'est fatigant hein. C'est fatigant. Ouais, on connaît le problème. Hein. On est au courant du problème, monsieur. Si c'est ça la question. Ok, deux métal à trouver pour ça. Pour une pompe. Ma réserve d'électricité est faible. Ouais, je suis au courant. Je suis au courant qu'on a plus de courant. LOL. Bon bah y'a plus qu'à attendre tranquillement hein. Que la situation se débloque. On va faire beaucoup plus, pas beaucoup mieux hein. Oui oui, critique, ouais je suis au courant mais... On peut pas faire beaucoup mieux hein.
Si, on peut éviter de presser du métal et du plastique, mais bah, les enfants, ça fait partie de notre business, quoi. Après, je pourrais vous dire si, cassez-vous d'ici. Tac, voilà, barrez-vous par exemple, on économise ça vite fait. Parce que là, vous pouvez plus rentrer. Alors, maintenant, vous avez l'air con, vous êtes dehors. Et vous avez l'air con. Et vous êtes obligé d'attendre le matin. Heureusement que la situation n'est pas trop critique. Gentiment, mais dans d'autres cas, ça nous a joué d'autres tours, hein. D'autres mauvais tours. Les heures, rappelez-vous les heures les plus sombres de notre histoire, quelque part, j'ai envie de dire. On n'a toujours pas d'eau. Allez les boys. On garde un certain nombre d'infrastructures coupées pour l'instant, toujours. On va venir sur des minima. Bonne nouvelle, l'ingénieur, tu peux te mettre au boulot. Brouille-toi. Et là, on a de l'eau. Et là, les mecs, faut pas déconner. Et on est quand même pas ouf, hein. Bon, là, si, on compte quand même beaucoup par rapport au maximum. Voilà. On demande du 6,25, on produit du 14. Où on peut produire maximum du 14, on produit du 6,25 sur notre grille. Est-ce que je peux avoir mon total de conso? Parce que ça, c'est ta pompe seule. D'ailleurs, la pompe seule, vous êtes mignon. Normalement, je devrais être sur 15 et pas sur 14. Je sais pas ce que je pompe exactement. Bon, en tout cas, normalement, on est large. On a le double, donc on est large. Enfin, on est large. On est bon. Large, c'est un bien grand mot, mais disons qu'on est bon. En accu, on part avec presque tous les accus chargés, donc là, c'est convenable. C'est convenable, nous en conviendrons. Donc on va faire un test, on va faire tourner la nuit avec toutes les infrastructures allumées. Voilà. En attendant qu'on ait mieux à se mettre sous la dent. Donc là, il va bientôt falloir produire de la pièce aussi de rechange. Bon, je me fais pas trop de billes parce que normalement les gars sont assez intelligents, ils les mettent aux endroits où il y a besoin. Et moi, bon, il faudra que je vois dans la journée là si on a de quoi charger. Si on arrive à charger nos 4 accus. Parce que si on arrive à charger nos 4 accus, faut que j'en fasse un cinquième. Je fasse un cinquième accu. Ça a l'air de vouloir tenir. Hein. Ouais. Ok, on finit avec l'équivalent d'un accumulateur entier, quoi. C'est ça. Y a plus qu'à voir comment on le charge, comment ça se passe. Et bah très bien, on est bon pour faire un accumulateur supplémentaire. Donc cet accumulateur supplémentaire.
Alors, en métal, putain, vous avez rien senti par contre de la journée, hein. C'était compliqué visiblement. Visiblement, c'était un petit peu technique. Ça veut pas. Oui, après on peut faire ça aussi. Hein. On peut faire ça aussi, un peu moins gros quoi. Ah mais si, nous ont fini la petite salle de garde, j'ai même pas fait gaffe. Il y a vraiment besoin de casier d'armes, donc je vais le mettre. C'est vraiment dans le doute, hein. Je pense pas qu'on en aura besoin. Ah oui, on finit même avec un AQ et demi là. On a fini avec un AQ et demi là. Un AQ un tiers. Un Q tiers. Ah! Ça va être la dèche en dos. Comment qu'il s'est pété une guibole là? Ah, faut que je me fasse rentrer un médecin. Hein. Un médecin, c'est en foutant dur. Ça a l'air d'être compliqué pour lui. Après, je sais pas si on a beaucoup de plantes en rab. Ah, quoi que maintenant on a un dépôt. Oui, oui, on a l'air d'avoir hein, là-dedans. Je crois qu'on a un peu de bouffe en rab déjà. Je crois qu'on a de quoi manger un peu. Ce qui paraît. Ça a l'air. Il y avait un poste que j'avais pas pu faire, c'est l'antenne, parce que j'ai pas d'antenne à mon avis. C'est juste pour ça, ou parce que j'y ai pas le droit. Grande question. Non, toujours pas. Nécessite un télescope. Ah oui, donc il faut d'abord poser le télescope. D'accord. Bah, télescopons. Hein. Après là, on est un peu loin d'une sortie. Ouais, non, pas plus que ça en vrai. Regarder combien de médecins on a rentré. Oh là, pff, on a la masse. Hein. Non mais zéro, zéro partout quoi. Non mais coupe le jus. Je sens qu'on va nous faire des conneries, donc coupe-moi ça. On va partir sur une petite base de 100% ouvrier. Alors après je crois que c'est gérable que par des ingés les télescopes ou par des ouvriers, je sais plus. Je ne sais plus qui gère quoi et comment. On met nous quelques mecs puisque bon on est en train de faire ça donc ça peut être sympa de rentrer du biologiste en rab. Et puis on a de la bouffe pour encaisser le coup. Hein. On a de quoi encaisser le coup en vrai, ça va aller. Allez, on peut se mettre une petite piole là. Une piole un peu plus grande là. Nice. Je sais pas ce qu'on a rentré, mais on en a rentré. Toujours autant d'ouvriers. Par contre, on a 9 biologistes. Non, on a plus d'ouvriers, on en a 11. Oh, alors, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Stop. Stop. On va peut-être se lancer un deuxième réfectoire par contre. Je produis pas assez de métal pour tout ça. Faut pas se mentir. Après, je te dirais, le métal ça va et ça vient quoi.
Donc là, faudrait commencer à faire entrer, voilà, faire un petit centre de robotique ici, là. Ah, ah c'est non, quoi. C'est genre juste oui, ici, quoi. Bon, bah oui, ici, alors. On a du mec qui éclacose dans tous les sens, quoi. Yes, bon, on peut peut-être se remettre un petit écran ici, hein. Hein? Un écran? Hein? Un autre écran? Ah bah non, il n'y a plus de place. Bon, il n'y a plus de place. Le jeu, il a dit, il n'y a plus de place. Faut se calmer. Ah, le petit accueil est terminé, d'accord. Ouais, je mettrais bien la priorité là-dessus pour avoir un télescope. Ça, c'est inutile, mais j'ai envie de le faire. Parce que c'est inutile. C'est bien, hein. Les ouvriers font tourner les presses hein, maintenant, ils rigolent plus. Hein. C'est assez impressionnant. Et on a de la pièce de mécanique de rechange, on est bien. Voilà ce qu'on rentre en matière, c'est ouf. Et il fonctionne toujours, CR1? Ah non, il est mort. Hein. Il est mort quelque part d'ailleurs, je sais pas trop où. Mais bon, il est mort quelque part. Qu'est-ce qu'on presse en bioplastoc, c'est dingue. C'est dingue. On a combien d'ingés? Parce que du coup je crois qu'on a que 3 ingés. On a 3 ingés. On pourrait se faire entrer une fournée d'ingés puisqu'on va avoir 4 machines à faire tourner pour les ingénieurs. Rentrer une fournée d'ingé. Parce que entre les constructions et les pièces à fabriquer, je pense que c'est pas déconnant de se faire entrer une petite fournée d'ingé. Parce qu'on a carrément de quoi nourrir tout le monde. D'ailleurs, les stats sont ouf. Et on arrive à 75%, d'ailleurs, on va faire une petite sauvegarde parce qu'on arrive à 75% d'entrepôt plein. Bientôt le télescope, hein. Voilà, dès qu'ils ont fini de presser ça. Putain, il y a un masse métal. Hein. Ouais, on sent qu'on a fait entrer de l'ouvrier. Hein. On a du métal maintenant, en veux-tu, en voilà. On a atteint un certain niveau de confort. Ce qui fait que même si on se prend un météore, normalement ça devrait bien se passer. Et bah, 3 ingés, c'est très bien. C'est très bien, madame la marquise. Vas-y, je te laisse décoller. Pouf. Allez, salut. Consomme trop d'oxygène. Ah. Consomme trop d'oxygène. C'est dans les dortoirs. Hein. Je sais pas c'est où. Où est-ce qu'on consomme trop d'oxygène? J'aurais pas dû supprimer le message, j'aurais dû aller voir où c'était. Mais je pense que généralement c'est dans les dortoirs. On a ce genre d'incident. 2, 3 pièces et l'autre est là, 1, 2, 3 pièces, ouais. On sera porté 3 pièces des deux, ce sera pas trop mal.
médicaments commence à être bien. Enfin, on a un peu de marge, quoi. Un petit peu de marge. Où ça? Bah montre-moi où. Il veut pas montrer où. Ah, ça surveille, hein. Ah, c'est un poste pour les ingés, celui-là. Celui du télescope, c'est pour les ingénieurs. C'est l'antenne qui est gérée par les... Oh, je sais plus. Ah, c'est désactivé pour cette mission, l'antenne. Ok. Attention, on est dans les vrais projets. Ah, on est dans les vrais projets, voilà, ça déconne plus. On presse pas assez de métal, pas assez vite. On en a pas mal à presser, mais vous êtes tous dans les mines, non? Ah non, vous êtes tous en train de pioncer. J'ai rien dit. Plus qu'une pièce, ça serait bien d'en refaire une. Pas de priorité là-dessus, je vois pas pourquoi vous grouillez d'aller la charger. Alors que la priorité est clairement là-dessus, quoi. C'est un peu super spécial comme réflexe là. Drôle de réflexe. Et on atteint toutes les 100 de bouffe, plus de 100 en bouffe. Hein. Les coins, c'est à dire que bah, ça continue à augmenter malgré notre forte population. Malgré notre forte populace, ça va rentrer quelques ouvriers, quelques ingés du coup. C'est suffisant. Au revoir. Je sais pas si on peut faire venir de la crapule, donc j'ai pas envie de fabriquer de flingue en fait. J'avoue que j'ai pas du tout envie. Je pense qu'une deuxième comme ça suffira très bien. On a fait 10% de l'objectif, hein. On est 32. Après, au moment où on fabriquera des droïdes, on sera large. C'est quoi c'est les mêmes stats que tout le monde? Ouais. Voyons voir combien tu vas nous en envoyer. Ah, impact sur le télescope, super. Faux, usage de fou. On va juste avoir dit biologiste tant qu'à faire.
Fonderie de silicium terminée. Très bien. On a de l'air. Hein. Bizarrement, on a plus de problème sur l'air là. Étrangement. Ah, on a besoin de biologistes en vrai. Hein. Tout n'est pas à fond. Tout n'est pas à fond. C'est un drame. On veut tout. On veut que tout soit à fond. Tout le temps. Je vois qu'un autre accu, ce serait pas un luxe. 3 mineurs, un bio. Oui, parce qu'autant les appeler des mineurs, autant arrêter de les appeler des ouvriers. Appelons un chat, à un moment donné. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte d'appeler un chat. Le petit centre de robotique, il est là. Ouais, après, bon, à part la beuverie, le multidôme. Multidôme, trop balèze. C'est un petit multidôme comme ça. J'avais vu avec une entrée sur l'oxygène, ça m'arrangeait. Ah oui, c'est que le petit qui peut se brancher à l'oxygène. Oh, un peu triste. Et là, je peux plus te rentrer. Ouais. À voir. À voir, c'est pas urgent. C'est la question, c'est ce qu'on arrive à toujours à charger tous nos accus. Ça, c'est la grande question. Je suis pas sûr. 8, 16, 24. Ouais, si, on est pas mal. On est à 3 fois. On est à 3 fois. Après, est-ce qu'on a assez d'accumulateurs pour? Grande question. Nous verrons. Après, je suis pas obligé de forcément faire un gros multidôme en vrai. Hein. J'avoue, un petit comme ça, ça suffit. Hein. On donne ici, et puis ça suffit. Ouais, faut toujours privilégier la multiconnexion. C'est vrai qu'il faut le faire. Faut le faire. Centre de robotique, réfectoire. On est pas mal. Je crois qu'on va être bon pour une nouvelle usine. Hein. Après, on n'est pas encore à saturation en ouvriers. Et puis bon, de toute façon, en vrai, ça va être les robots qui vont prendre la relève. On n'est pas non plus dans l'urgence. Oula, par contre, là, on est dans l'urgence, c'est sur la plante médicinale. On va rentrer dans une certaine urgence. Ouais. Ouais. C'est épuisé, en effet. Surtout stocker du médicament en vrai, c'est surtout ce qui m'intéresse d'avoir des médecins qui tombent tout le temps en faisant du médicament parce qu'on en a trois. Donc littéralement j'en ai un qui peut soigner pendant que j'en ai deux qui fabriquent du médicament lorsque j'aurai assez bien sûr pour fabriquer du médoc. Ouais, faut imprimer de la puce de silicium mais ça a pas l'air d'être la priorité absolue. Un biodôme hein. Moi je dis mettre la priorité sur un biodôme, c'est toujours une bonne idée. Réserve météorite, ouais. Ah, c'est surtout celui-là qui couvre bien. Après les deux autres sont assez loin. Ça couvre pas mal. Il n'y a que celui-là qui couvre pas terrible. Il y a deux pièces qui sont pas parfaitement couvertes, mais bon ça va. En vrai ça va. C'est quoi? C'est la robotique et le réfectoire qui est en partie couvert quand même. Tout le reste est bien protégé, donc pas trop de soucis. La réserve d'électricité critique, donc ça, c'est le manque d'accumulateur. Ça, il n'y a pas de... La Q, ce serait bien. Ouais, ça charge quand même super vite. Ah, quoique, ça charge super vite. C'est bien vite dit. Hein.
C'est quand même bien vite dit. Ouais, c'est vite vite dit, hein. Alors, on sera pas chargé. On sera pas chargé avant la nuit. Les médicaments s'épuisent. Ouais, le problème c'est pas les accus. Le problème, c'est toi. C'est ça dont j'ai besoin. Il me faut un nouveau panneau solaire. Et un nouvel accu au passage, mais d'abord le panneau solaire, toujours. Parce qu'on a des accus qu'on n'arrive pas à remplir. Oui, je sais, on a plus de médoc. Hein. On a plus rien. C'est la dèche. Pointe au chum du. C'est terrible. Mais c'est comme ça. Et la nourriture, ça monte encore. Hein. Donc j'ai même pas de crise sur la nourriture. Et au cas où, vu que je vois que l'entretien n'est pas parfait même de nuit, je pourrais encore faire rentrer quelques mecs. Qu'est-ce qui se passe? C'est plein ça? 98%? Ah oui, ça commence à ressembler. Hein. Ça commence à ressembler à assez complètement plein. Hein. Ça dépend, ça dépasse, ça déborde. En fait, j'ai pas vraiment besoin d'un deuxième biodôme. J'ai vraiment fait un agrandissement de station pour rien. Pour le plaisir d'en faire un, hein, quoi. 13! Oh. Ah oui, par contre faut presser de la tôle. Là on en a un stade critique, virez-moi ça. Et par contre faites-moi un prestôle supplémentaire. Ok, tac. Parce que bon, du bioplastique, même si j'ai envie de dire tant pis on n'en produit plus, on n'est pas dans la crise du bioplastique non plus. Ça va. Ah, la coupure de courant. La coupure de courant, est-ce qu'elle sera évitée? Elle est évitée. Plus que deux bouts de métal. Voilà, ils ont tellement chargé les lasers en premier. Marrant qu'ils mettent l'accent sur les lasers. Bon après, je peux comprendre, hein, c'est ce qui les menace en termes de vie. Je peux comprendre que l'IA dise non mais la défense en premier quoi. Je peux comprendre. Par contre, faut presser de la tôle les mecs. Hein. Ouais, j'en ai rien à foutre. Sortez d'une mine là, il n'y a plus qu'une mine qui tourne, ça suffira. Une seule mine qui tourne, ça suffit. Deux dortoirs le jour, c'est peut-être un peu beaucoup. Ouais, on a 13 minerais à transformer. Go les gars, hein. Pressé de la tôle. Hein. Finalement, c'est peut-être la structure qu'il fallait faire plutôt que de faire un truc nul ici. Genre un multidôme pour l'y divertir comme des couillons. On aurait peut-être dû faire une deuxième presse de tôle quoi. Yes, c'était peut-être le truc à faire plutôt que de faire un multidôme, en effet. Alors bon, pour l'instant il y a des ressources au milieu donc on pourra pas le savoir. Ici on a 97%, ce qui serait bien c'est qu'ils viennent ramasser ce qui traîne dehors. Je suis pas convaincu qu'ils le feront. Très bien, c'est fait, on peut remettre la priorité sur la queue. Dites-moi que vous allez sur la queue. Vendez-moi du rêve. Alors en fait, je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que c'est la précision des lasers est déterminée par les observatoires. Donc en fait, c'était plusieurs observatoires qu'il fallait que je fasse. Et pas plusieurs lasers. Pas plusieurs piouk-piouk. Donc ce piouk-piouk là ne sert à rien. Puisqu'il est couvert par celui-ci, l'autre couvre là-bas. Donc en fait, ici...
C'est un autre observatoire. On peut placer comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Ah, s'il y a une embrouille. C'est pas grave, on va mettre un autre accueil à côté. Ça, on aura notre chassé croisé, il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille. Très bien. Très bien, très bien. Allez, bougez les poulets. Alors, est-ce qu'on charge un peu? Dites-nous tout. 320 sur 83. Ah bah là, on devrait charger un peu quand même. Là, on devrait réussir à charger un truc. On a 4 pièces de rechange tout le temps. Ça, c'est quand même cool. Et on a 4 panneaux solaires. Donc on est bien. Et on a un tel débit de métal qu'on sait que c'est bon, quoi. Ah, cette mine n'est pas forcément pleine. Ah, ça tourne peut-être, ça tourne pas toujours à fond là. Tournez à fond là un peu les poulets. 16 bioplastiques, j'en ai trop. Si seulement je pouvais en vendre un peu là. Si seulement je pouvais en vendre un petit peu. Changerait ma vie. Par contre, j'ai pas de plantes en rab. Ce que je pourrais faire éventuellement dans ces cas-là, c'est peut-être diminuer, voilà, un peu et me dire que tant pis. Voilà, je me remets un truc comme ça de plantes médicinales. Pareil, mon petit arbre. Moi, j'aime bien les arbres, mais dire à la limite, on peut faire un biodôme de ça, hein, si tu veux, mais faisons de la plante médicinale. Supprimons peut-être une serre de maïs pour justement peut-être remettre un arbre. Ça fait genre. Voilà. Voilà, ça fait genre. Et on est pas mal. De toute façon, on n'a pas besoin d'autant de bouffe là. On est en train de dégueuler par tous les pores de la peau. Ah oui, vous avez eu le temps de tout finir. Ah oui, énervé les mecs. Hein. Alors, on va peut-être mettre une priorité là-dessus, s'il vous plaît. Et là, ces deux-là. Un peu de métal par ici s'il vous plaît. Oula, ça a coupé là. On a plus d'oxygène, ça a coupé. Pourquoi ça a coupé? Ah, parce que n'avait pas la connexion n'était pas faite. D'accord, ok. Oui, oui, il n'y a pas d'oxygène, ça va, calme-toi pour l'instant quoi. Pouvoir remplir un petit peu de machine, tout va bien les gars. Ok, on va faire la même, on va remettre ça comme ça, ça comme ça, une autre table basse, de quoi boire. De la jolie plante, comme c'est joli. Incroyable, comment c'est beau. On va en mettre une machine là d'ailleurs? Non. Je ne veux pas. Je m'ai dit non. Et là on peut mettre plusieurs choses. Donc on peut remettre une fontaine à eau ici, on peut remettre une fontaine à eau là, et on peut remettre une plante ici, et une plante par là. Et nous n'avons plus d'eau, c'est la crise. On pompe trop de flotte, le jeu a dit. Donc, nouvelle pompe à eau. Nouvelle pompe à eau à qui on va donner une certaine niveau priorité, quoi. Un certain niveau de priorité, plutôt. Ouais, on pourrait faire ça comme ça. Hein. Et hop, c'est le secteur à faire en premier. Hein. Ah, je vous fais bosser. Hein. Ah, c'était, je suis terrible. Hein. Terrible comment je vous fais bosser. Un nouvel accu, c'est très bien. Ça termine des structures, ça termine des plantes et des machins, c'est incroyable. Alors bon, ici il serait peut-être temps, voilà, on vous laisse faire un petit peu de forêt au début, voilà, ça me paraît cool. Ça paraît cool qu'on puisse en faire enfin. Voilà. Pour l'instant je fais que ça parce que bah, en nourriture on va très bien.
Même si là on a l'impression que j'ai réduit un peu, mais c'est parce qu'ils ont chargé les machines. Donc vous voyez que j'ai beaucoup plus de plats cuisinés. Excusez-moi, fumer du jus, je vous le rappelle. Et c'est pas bien de fumer. Voilà. Donc ça c'était la bonne toux de fumeur comme il fallait. Avec le petit sifflement au fond de gorge. Super. Voilà. Vraiment, si vous avez envie de fumer, bah vous pouvez vous dire que c'est vraiment une mauvaise idée. Voilà. Et vous n'avez une excuse pour fumer que si vous n'êtes un que si vous êtes un ouvrier. Point barre. Du composant, hein. Un petit peu de composant, on serait pas mal. Ouais, Zaku, ça a l'air de vouloir tenir, c'est pas mal. Donc non, il faut plusieurs postes pour les. Ok. Donc si vous. Non, c'est pas pour moi, excusez-moi. Il faut plusieurs postes d'observatoire. Très bien. Mettons-en. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai la place. Moi, je les mets. Allez. Oh, j'aurais peut-être mis un petit. Non, non, mais attendez, on va refaire la déco, les gars. Viens-moi ça. En fait. Oui, oui, recycle-moi cette merde. D'ailleurs, ça prenait un de métal. Ah. Non. Pas du tout. Faux. Yes. Ah, on peut remettre un bureau au milieu. Pff, franchement, j'ai pas besoin. Hein. C'est quoi, je préfère remettre un bureau de. Voilà. Des bureaux partout. Des bureaux, puisque j'ai pas besoin de flingues. Voilà. De toute façon, j'ai coupé mes pistes d'atterrissage. Et que nos 38 resteront des 38. Ils ne bougeront jamais. Oui, on a plus d'eau, on a plus rien. On est au courant. On est au courant. Voilà, c'est super. On est très content pour toi. Oui, oui, super génial. Cool. Tout ça, c'est géré par des ingénieurs. Donc, bon, bah, ça va. Ça tourne. Voilà. Ça tourne. C'est pas mal. D'ailleurs, c'est marrant. On avait 3 mecs sur télescope alors que j'en ai que 2. J'ai pas posé de 3e télescope d'ailleurs. Je vais poser un 3e télescope. Ah oui, non, j'ai mis un truc de robotique ici. Ah. Donc méfions-nous. Ouais, je vais le mettre par là par exemple. Tout à fait. On a quoi ici? Un laser. On n'est pas pressé sur le laser. On est pressé sur l'extracteur d'eau par contre. Ouais, on est pressé sur l'extracteur d'eau. Et après, la priorité, je pense, ira. Le moral du monde, de tout ce beau monde, a l'air très bien. Donc, je me sens pas plus pressé que ça. Et voilà, mon réseau tient. Mon réseau tient tout seul, c'est beau. Un seul mineur, ouais. On sera bientôt en rab. On ouvre une mine. On n'est jamais en excédent de métal par contre. Hein. On dégueule pas de métal. Tant mieux ceci dit parce qu'on dégueule de bouffe. Hein. Ah, on a réussi à réduire un peu en construisant un réfectoire à 4 machines. On a réussi à réduire un peu. On a réussi quand même à absorber une partie du problème. De la réserve, mais c'est pas probant quand même. Hein. Oui, d'ailleurs, justement, en parlant de tout ça, en parlant de ce qui est probant, de ce qui ne l'est pas, je pense que ouais, ce qui pourrait être intéressant. Ah, ça veut pas rentrer. Je peux en rentrer qu'un comme ça. C'est un peu triste. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on se fait? On se ferait genre un sas juste là pour les droïdes. Pour les droïdes. Ce qui nous amènerait à faire genre des mines. Faire genre des mines. Genre des mines. Genre. Yes. Et on ferait genre des mines. Enfin, au moins une mine en tout cas, visiblement.
Exploité et exploitable par des robots. Pour des robots. Et puis, bah, à un moment donné, il va falloir mettre. Je pense qu'on va mettre la pression justement sur le moins développé de tous, mais il va falloir mettre une petite pression sur toi là. Et fini la pompe, superbe. C'est pour ça que j'entends plus râler. Magnifique. Non, pas du tout. Faux. Je voulais faire l'aménagement intérieur, mais je peux pas. Les structures ne sont pas faites. Le petit couloir n'est pas fait. Ouais, ça y est, y a plus qu'un truc qui tourne là parce qu'ils sont tous dans les mines. Tirez-vous, con de mime. Tire-toi, con de mime. Finissez l'autre. Oh, y a des coups de pompe général quoi. C'est l'heure de dormir, hein. Visiblement. Bonne nuit, les enfants. Plante, on est bon là, on prend du médoc. Hein. Ouais, plus que du bioplastique en tout cas. Ah oui, on a quand même une étagère qui est pleine. Ok. Ah, déjà l'équivalent de deux étagères pleines. Bon, ça va. En termes de médicaments, on est bon. En termes de médicaments, on est très bon. J'ai une qui tourne à fond, je les déteste. J'ai une machine là qui tourne pas, mais reste tourne à fond, quoi. Parce que les métaux sont pas transportés, ils sont plantés devant la mine à tous les coups. Je sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas tout. On ne nous dit pas tout, de toute façon. Moi je le sais depuis le début, je sens qu'on ne nous dit pas tout. Tac. 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 Et tac. Toc. Et tac. C'est toujours une priorité. Même si là maintenant tout de suite j'ai pas besoin d'en faire une priorité. Par principe, c'est toujours une priorité, donc. Oh, vous venez de loin, vous? Ah non, c'est les ingés. Oh, ils se baladent. Genre, ils ont leur petit réfectoire juste pour les ingés. Ah, il y a un ouvrier, un salaud de pauvre qui se ramène. Fumier, pourriture communiste. N'est-ce pas, hein? Bref. Ce solde de nuit, deux accus qui tiennent, trois accus encore pleins. Oh, joli. Joli, joli, hein. C'est étonnant. On fait pas de pros, hein. On veut pas faire de pros, hein. Ça a pas l'air d'être le. Pas l'air d'être le mood du siècle, hein. Ah ouais, donc ok, vous faites du bioplastoc. C'est concept, hein, le bioplastoc. C'est politique à ce niveau-là, d'ailleurs, hein, messieurs. Je tiens à préciser. Tu couvres bien la base aussi. Ouais, je pourrais te mettre une priorité haute, en vrai. Pour le peu que tu couvres pas, ce serait bien qu'ils te terminent, les gars. Ce serait bien que mes ingés se mettent à bosser, en fait. Et pour ça, il faudrait qu'on ait un petit peu moins de construction en cours. Il est vrai. Et maintenant, en métal, en vrai, on n'a plus que ça à gérer, hein. Oh, les médecins qu'on n'a rien à foutre du blessé. Non mais attends, je fais la popote mec. Je te fais de l'aspirine, tu verras ma gueule. Ah, pas c'est le caillou qui est tombé sur ta tronche. Splu. Nice. Là, on peut réactiver deux mines. Ça couvre tellement large, ça nous ouvre tellement un champ des possibles incroyable. C'est bon, ça se tasse un peu ici. Un peu, hein. Un peu doucement, mais pas trop vite, hein. Pas trop trop vite quand même, hein. Le central de robotique. Fabriquer trois robots de mémoire. Le porteur, l'ingénieur. Et le foreur, donc ça me laisse une plateforme pour les réparer. Après 300 robots à réparer, parce que c'est ça qu'on vise, hein, c'est 300 robots à réparer. Peut-être me falloir une salle dédiée à la réparation. À voir. Encore une fois, c'est à voir. C'est à voir où on en sera.
Ils me prennent la tête à vouloir faire du bioplastique tout le temps et pas me faire du métal. C'est saoulant. Je veux que vous fassiez du métal. Du métal! Métal! Yes. Est-ce qu'on commence à avoir un peu de métal qui est envoyé aux ingés? Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est vraiment pas. Voilà, normalement ça devrait commencer à tomber. Hein. Bien, voilà, c'est ça, ils envoient encore un métal pour la connexion. Et normalement, faut commencer à envoyer aux ingénieurs, quoi. Faut commencer à fournir de l'ingé, les gars. Libérer de la place, j'ai envie de me dire si je vire ce lit. En fait, si je vire ce lit, j'ai la place pour mettre pas non pas une mais deux armoires. Exactement. Voilà. En fait, le mec se fait soigner dans un dépôt de pharmacie. Dans la réserve. Ah, faut dire ce qu'il y a, hein. C'est pas une infirmerie, c'est une réserve pharmaceutique. Encore l'air très au point. On a plus de pièces de réparation d'ailleurs. Les installations sont terminées. Comment ça? Comment ça? Ah oui, si, oui, 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 trois conneries quoi. Youpi. Youpi, donc ni ça ni l'autre, rien pour l'instant. Plus de métal pourtant, si, il y a du métal. Du métal partout. Ça fait shooter une connexion. Du métal là. On a du métal les gars, faut envoyer ça dans les presses hein. Ok, c'est en train de faire de la pièce de rechange mais ça change de la pièce, c'est cool. Bon, j'ai rien contre hein, pour entretenir la colonie hein, j'ai pas de soucis mais gaffe, faut injecter un peu de métal là-dedans, là. Pourquoi t'es déprimé, toi? On sait pas, pourtant il y a de la propagande partout, là, dans chaque salle commune. Je peux pas faire mieux, hein. Vous voulez des posters de l'ancien régime communiste? Ou alors, est-ce que peut-être... alors, soviétique, du modèle soviétique, je parlais, bien sûr. Voilà ce que vous voulez, le pub de propagande payé avec nos impôts de l'Union Européenne pour dire il faut aller voter pour un monde meilleur aux élections européennes. Ah oui, voilà. Voilà, tout à fait. Le télescope a été terminé. Cool. D'accord, donc en fait juste vous avez décidé de ne pas envoyer du tout de métal là-dedans en fait. C'est vraiment votre projet. Car c'est... Oui c'est ça en fait, c'est vraiment votre projet. Faut presser de la tôle les mecs hein. Faut faire quelque chose à un moment donné hein. Je vois pas pourquoi ils veulent pas le faire. C'est bizarre tout ça. Ça me paraît comme une énigme d'IA incroyable. Je pige pas grand chose. Mais je voudrais, hein. Toujours, je voudrais bien. Voilà, information de la colonie. Je suis sûr que ça va vous plaire, ça, comme dispositif. Non, je sens que ça vous parle tout de suite. Je sens que vous êtes sensible à cela. Hein, est-ce qu'on pourrait claquer une mine de fer par ici? Oh, incroyable. Allez, les connexions dans tous les sens. Ça, c'est encore réussi, ça.
Ça, c'est pour les dépressifs, ça. Allez. Le petit dodo dans un lit solo. Ah, ça manque vraiment, hein, une maternité, un truc dans ce jeu où tu permets à tes propres colons de se reproduire entre eux. C'est vraiment... Là, on est vraiment dans une société tellement propre et lissée qu'il n'y a pas de reproduction possible. C'est que, quelque part, tu te demandes si c'est pas la corporation elle-même qui génère des individus, tu vois, des clones quelque part. Bah, pas des clones, puisque l'objectif, c'est pas forcément d'être des copies génétiques. Mais qui fabrique du colon à maturité et qui te l'envoie en fait. Vu la mentalité d'ailleurs débile des trucs, ça serait pas improbable. Ouais, il y en a un là-dedans. Allez, vas-y, va me faire tourner ça bien sûr, plutôt que d'imprimer du métal. Après, c'est de la tôle. Ils vont sortir avec leur métal. Mais vous me faites chier à pas vouloir le foutre là-dedans. Oh, vous me faites chier à un degré. Un degré de chitude. Ou alors faut que j'attende d'avoir ça, d'avoir le centre de robotique pour qu'ils considèrent que ça devienne priorité. Mais même pas, puisque attendez, les lasers c'est de la sécurité. C'est les premiers trucs. Ils sont allés spécialement aller empiler des ressources dessus en disant c'est prioritaire, mais c'est prioritaire, mais on fait pas les. Enfin, je sais pas comment sont gérés les systèmes de priorité dans le jeu, mais ils sont vraiment cassés quoi. Ça marche pas. C'est un peu merdique quoi. Y'a quand même un mec qui est rentré dedans. Foutez la paix aux mines. Hein. Sortez de là. Hein. Saoulez le monde. Hein. C'est infernal. Hein. On peut plus supporter ça. Hein. On peut plus supporter de vous voir tout le temps dans les mines. Hein. Moi je dis non à tout ça. Hein. Voilà. Marrant, la souris sort de l'écran. C'est rigolo. Faire avec le jeu. C'est rigolo. Youpi. Sur quelle connexion? Ouais. Ouais, bah si tu veux, hein, j'en ai fait 3 de toute façon. Oh, c'est un peu long à réparer ça, dis donc. Oh là, il bosse, hein. Ah, il y met tout son cœur, le mec. Hein. Oh, il est à fond. Nice. Bravo. Bravo, le veau. Pareil, je trouve ça dommage que. Tout con, hein, dans le jeu, mais on a deux types de connexions différentes. En extérieur, qui sont des tuyaux qui raccordent évidemment deux plateformes, mais aussi la plateforme lisse pour marcher dessus. C'est dommage que les mecs marchent pas dessus, genre pour aller plus vite. Tu vois, ça aurait été sympa quoi. Tu te dis au moins ma connexion elle sert vraiment à quelque chose. Yes, c'est cool, Dark Moon. Ils ont fait le panneau, il peut pas fonctionner parce qu'il est connecté à rien du tout. Si en faisant ça ils vont peut-être s'accélérer le fion et faire le truc là, mais ils m'ont même pas fait la connexion là, genre tu me dirais ouais vas-y ils ont filoté, ils ont fait une connexion là, mais même pas les branleurs. Ils m'ont fait un panneau, il marche pas. Ah les branleurs. Ah c'est vraiment pas. Ah c'est. Ouais on a plus de pièces détachées, tiens, c'est rigolo du coup. Ouais, par contre là pour faire de la pièce détachée, on y arrive quand même. Là, on arrive quand même à en sortir. Oh, ils me font bien rire, ces cons. Oh, j'ai envie de rouvrir la piste d'atterrissage, parce qu'on a de la place encore dans notre colonie. En termes d'êtres humains. 60-40... C'est ouvert. Vous pouvez poser. On va faire de rentrer de l'ouvrier et puis du fermier. Hein. Pas de raison. Hein. Ah, on est quand même une petite. On observe une petite baisse de la nourriture. Rien de dramatique, hein, loin de là, bien sûr. Alors. Atelier de fabrication de robots. De l'entretien. De l'entretien. De l'entretien. De l'entretien. Et de l'entretien. Bonne journée. What?
Oh, des gens méchants! Oh non! On peut vraiment avoir des méchants! Vite, ferme tous les sas! Normalement, j'ai laissé aucun sas ouvert. Ok, donc on peut avoir des méchants. Des gens qui sont pas très gentils. Ok. Non. Oui. Vite, 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 rentre ma gueule, rentre ma gueule. Ah mais il veut pas rentrer. Ah, il veut juste aller dans sa mine, lui. Pêchez-vous. Pêchez-vous. Je vais devoir fermer. Je ferme. Dommage. Dommage pour vous, les mecs. Ah bah toi, vieux, tu vas crever dehors. Hein. Hop. La petite balade. Hop. Les mecs ils sont sous l'œil. Oh les mecs ils sont sous l'œil. Y'a personne là ici. Allez vite rentrez, rentrez, rentrez. Vite rentrez vos culs. Hop là. Surprise motherfucker. Vite. Martoni cours, 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 cours. T'es trop lent. Vas-y viens vieux, 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 vieux. Fais quelque chose. Ah merde. J'ai accepté quelqu'un encore. Ah oui mince. Ouais bah cassez-vous. Désolé on peut pas. Ici c'est fermé. Go. Go. Vite. Vite. Nice. Bien joué. Bien joué, mes petites gueules. Ah, la technique. La technique incroyable. Ils vont crever de l'oxygène. Du vrai. Pose ton caillou. Pose ton caillou. Yes. Cours, 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 cours. Cours, vieux. Cours. Oh, putain, t'es après eux. Ils sont sur tes talons, ma gueule. Vite. Ouais, 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 ouais. Vas-y, rentre, 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 rentre. Hop. Nice. J'en ai rentré un. Vas-y, cours, 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 cours. Ah c'est un strike évident. Sa priorité éliminée. Effectivement c'était beau à voir. Ça fait plaisir. Quoi, comment ça on est coupé? Quoi, tout est coupé? On a plus de jus? On consomme trop? Qu'est-ce qui se passe? Ah visiblement oui. Ah visiblement il y a un truc qui fait qu'on consomme trop là. Il y a un truc qui a pas plu hein. Après c'est peut-être la grande piste hein. La grande piste allumée tout le temps. Je sais pas si c'était forcément la meilleure idée du siècle. Je vous réouvre des sas les gars dans tous les sens. Faites-vous plaisir, voilà, tout est fermé. Les pistes sont coupées. Normalement ça devrait tenir. Au cas où oh, merde, je me suis encore trompé. Au cas où je peux mettre un accu ici hein. Non parce qu'en fait, attendez, ce qui m'intéresse dans cet accu, c'est qu'il soit aussi connecté. Ah oui, non, ouais, non, on s'en fout qu'il soit connecté en vrai. Non, on peut le foutre n'importe où, on peut aller le mettre là-bas. Plus par là, ce serait bien que je puisse le connecter, voilà. Que je puisse le connecter aux deux. Ah, c'est bien. Et bien sûr, c'est prioritaire. Go. J'ai pas eu le temps de regarder, on fait du 135 pour du 315, bah c'est pas mal. Ok, donc on peut avoir des méchants. Et les méchants ils sont pas très gentils. Ça c'est important à noter. Les méchants, ils sont pas très gentils. Donc je pense que s'entretenir une
petite communauté de soldats, ça peut devenir intéressant à l'occasion. Du coup là, on perd de la bouffe là, ça y est, c'est la crise alimentaire là, ça me plaît moi, ça me plaît beaucoup là. Ça me plaît énormément, vous pouvez pas imaginer à quel point. Ouais. Moi je me verrais bien. Alors non en fait, mauvaise idée. Non mais mauvaise idée, arrêtez tout. Mauvaise idée, est-ce que en fait ce qu'on veut nous c'est juste de la bouffe en fait. Donc ça sert à rien d'aller chercher des trucs très compliqués. Très compliqués très loin. De la plantasse on en a, donc du bioplastoc on en a. Alors après on en a pas non plus énormément, c'est vrai, mais bon je me connais, on va avoir du surstock très rapidement si je continue à construire des trucs pour rien. On va être à plat. On va être à plat, on va être complètement à plat en plus. Très rapidement. Est-ce qu'on générerait plus assez d'énergie? Est-ce que je ne soulève pas une question de première importance à l'instant T? Yes! En fait, il faut que je vois. Il faut que je vois si c'est un problème d'accu ou si c'est un problème de panneau solaire. Il faut que je vois. Ou si c'est un problème des deux, parce que souvent ils vont de pair. Allez, faut faire tourner les machines, les gars. Go, go, go. Après, vu tout ce que je vois, je pense qu'avoir autant de mines ouvertes, je suis pas sûr si c'est bien utile. Ah oui, vous êtes en train de fabriquer ces machins-là. J'ai pas tout à fait à trois fois la production. Sachant que comme j'ai dit, idéalement il faudrait qu'on soit à 4 fois parce que pareil j'ai pas fini de construire. Il faudrait potentiellement peut-être un nouveau dépôt. Non, on est en manque de panneaux solaires. Voilà, on a tellement peu de journées en fait que je suis en galère de panneaux solaires. Bah c'est parti. Hein. C'est parti pour la petite galère de panneaux solaires. C'est parti, c'est quoi ça? C'est un accu. Du coup, c'est pas pressé pour l'accu. Ça, on peut l'éteindre. C'est pas pressé. Et ça, de toute façon, ils veulent pas en faire. Hein. Ça, ils veulent pas. Ouais, on est en rate de pièces détachées, j'ai bien compris. Ouais. J'ai bien compris la problématique. Je l'ai saisi. Et ça, il faut des puces pour fabriquer des flingues. Ah, oh, je vais être en galère de flingues, mais terrible! Oh. Il n'y a que ça que vous comprenez, donc il n'y a que ça qu'on va faire. Hein. Ah, qu'il n'y a que ça. Hein. Pourquoi les gens font de la tronche? Je sais pas pourquoi ils font de la tronche. Oui, parce qu'ils ont eu des petits quarts d'heure un peu durs là, avec les gens que j'ai laissé mourir dehors. Vous êtes pas très réglo, franchement, les mecs. C'était des fumiers, on va pas se mentir. Oh. On va pas commencer à pleurer pour des fumiers, quoi. Ça, on peut le mettre en retention. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ce qu'il faut du coup penser à se construire. Un multidôme, les gens semblent en avoir besoin. Donc ça sert à rien d'avoir des gens qui deviennent improductifs parce qu'on n'a pas voulu faire un multidôme. Donc on leur fera un multidôme. Après ça peut être aussi lié à la crise de l'énergie, puisqu'on a une coupure de courant, on va avoir un manque d'oxygène probant. Donc ça peut être ça aussi. On partira peut-être pas sur un bar désespérément plus. Ok, ça a été critique en oxygène, faut se méfier. Faut être vigilant. La fabrique. Franchement, une grosse fabrique, c'est pas utile. Hein.
C'est vraiment pas. Je pense que si je te mets là, tu peux pas te raccorder aux deux. Ouais, tu peux pas. Recycle-moi ça. Yes, le multi-raccordement, encore et toujours, comme on en parlait. Comme on en parle toujours et comme on en parlera probablement toujours. Cette série incroyable. Veut pas se terminer. Et donc le multidôme. Donc le multidôme, pareil, on va partir sur une vache. Hein. Oui, c'est une vache qui a grogné pendant un instant, ouais. Ouais, elle avait un doute. Hein. Voilà, c'était une vache qui fumait. Hein. Faites pas chier. Ok. Bon, de toute façon, j'ai toujours une parade incroyable contre les voyous, hein, donc. C'est vrai que les flingues ne sont pas finalement une urgence. Ah, c'est les techniques d'un Knarfan qu'on fait avec ce qu'on a. Tu fais avec ce que t'as à bord. Quand t'as à bord, t'as des mecs qui veulent pas. Qui veulent pas fabriquer de flingues, bon bah d'accord. Ils veulent même pas fabriquer les canons laser pour se défendre. À un moment donné, faut être un peu logique, hein. S'ils veulent absolument rien faire, ils veulent absolument rien faire, hein. Je pense que cet épisode est un petit peu long. Je suis pas bien sûr, donc dans le doute, je vais laisser tourner. Encore un peu. Après, on verra si c'est trop long. Ah, vous me direz ça. Ah, on dit qu'on fait comme ça. Puis ouais, et ouais. Parce qu'on a largement assez de plantes médicinales, on va pas se mentir. Donc je pense qu'on est pas mal. Réserve d'électricité faible, évidemment. À mon avis, bientôt l'eau, ça va être craignos aussi. Je ne sais pas. L'eau. L'eau risque de devenir craignos assez rapidement. On n'arrive pas tout à fait sur la fin de la nuit. Ouais, à première vue, la piste d'atterrissage était quand même pour quelque chose, mais. Mais elle nous a quand même permis de nous signaler qu'on était quand même craignos sur l'électricité, voilà. Donc, on est quand même craignos, mais là vous voyez ça a quand même coupé plus tard. Plus tard. Ouais, il y a un paquet de mecs dehors en plus. Bon, vous allez rester dehors jusqu'à demain. Hein. Jusqu'à maintenant. Allez go. Ah, ils sont beaucoup à passer par là. Je vais garder qu'une mine d'ouvert, pressez-moi tout votre métal. Normalement, si vous faites bien votre travail, ça c'est bon, ça tourne. Allez, pressez-moi encore de la tôle. Une seule mine ouverte suffira. Il suffira d'une seule mine ouverte. Une chanson de. Je ne sais qui. Mais veuillez insérer le nom qui vous arrange. Ou pas, bien sûr. On n'est pas comme ça. Ah, pas de place pour un autre écran de propagande. Mince. Oui, pièces détachées, ressources épuisées. Ouais, tu m'étonnes. Hein. Ça commence à devenir gourmand et consommateur. Je ferais bien une tentative de. De recrutement de garde et un peu d'ingé. Genre on se met 20% d'ingé ou 25% d'ingé. Et on se fait une petite tentative de recrutement massive. Ceci dit, ça c'est quoi? C'est un AQ. Hein. Tu me mettras une priorité sur l'AQ après. J'aurais pu attendre d'être 2 jours d'ailleurs pour allumer ça. Éviter évidemment un éventuel shutdown, une coupure de courant, quoi. Voilà, j'ai fini ma serre, donc à mon avis, on va pas tarder à se retrouver en surplus de nourriture très rapidement. C'est pour ça, entre autres, que j'ai refait 4 machines ici. Parce que je me suis dit, bah voilà, au pire, on aura toujours 8 pièces là-dedans. Si jamais le dépôt est plein, quoi. Ouais, électricité faible, évidemment. Oh, ça va être critique en 2 secondes, là. Parce que le problème, c'est que le petit se vide très très vite. C'est un
peu l'inconvénient de faire un petit, c'est que tu te dis oh bah c'est bien, il est plein. Ouais, il se vide aussi très vite. Ah, il est vite plein, hein, mais il est vite vide. Hein. Voilà, donc là on est en critique. Parce que là, le petit là, il va être sec en 2 secondes. Ah, c'est la coupure de courant. On aura rien du début de la journée, donc ça va, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Encore notre petit lot de clodo dehors, hein, on est pas mal. Sérable est terminé, c'est cool. Ça finit des chantiers tranquillement. Allez, c'est le matin, arrêtez vos conneries là, c'est bon, ça coupe plus. Hein. Parfait, allez au boulot. Au boulot, faut que ça se remplisse. Faut remplir. 123 sur 400, voilà, on fait presque 4 fois ce qu'on se consomme. Ce qui est pas encore très ouf en vrai, hein, puisque j'ai encore 2 grosses installations à poser. Le multidôme, c'est pas très consommateur, c'est pas. Enfin, faudra faire une pompe à eau éventuellement, mais c'est pas trop le problème. La grande usine, par contre, ouais, ça va être un problème énergétique. Et cette pièce-là aussi, hein, cette pièce-là, elle tourne pas encore. Et elle va être un problème. Très rapidement. Et ce laser qu'ils veulent pas me. Bah maintenant ils peuvent plus me le faire, mais qu'ils ne voulaient pas me faire. Pouette. Yes, essayer de me finir ça, ce serait quand même formidable. Donc on a une mine d'ouverte. Ok. On a même pas tout chargé, hein. Oui, donc oui, on est. C'est même pas. Ouais, il faut déjà que je refasse un autre panneau solaire. On est vraiment dedans, quoi. On est vraiment dans une phase où ouais, on est en manque cruel de panneaux solaires. On ne charge pas assez vite. Et donc bien entendu ça deviendra une priorité. Alors ça deviendra une priorité peut-être pas tout de suite. D'abord j'aimerais que les gars me pressent un peu de métal pour me l'envoyer sur l'accu, qu'on finisse quand même l'accumulateur tant qu'à faire. Si te manque un bout de métal, c'est quand même con de pas finir, quoi. Ça c'est pas urgent les mecs, hein. C'est pas. Tu regretterais presque un bouton qui te dirait non, réduisez vraiment l'intérêt de ce truc là, pour vraiment les empêcher d'y aller quoi. Eh mec, t'aurais pu faire une soudure de plus quand même là. D'accord, c'est okay, Jacqueline qui y va. Niveau d'énergie faible, ouais, mais ça devrait tenir. Je crois que ce qui est très gourmand, c'est ça aussi. Hein. Ouais, 2,5 quand même. Hein. Ça consomme. Ça pompe axe, ça pompe ex. Hein. C'est le matin. Mais ça, du coup, on a besoin que ça tourne tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut être large en énergie. On a besoin que les observatoires tournent à fond de jour comme de nuit. Donc de toute façon, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il faut du jus, quoi. Il faut du jus. Faisons du jus, ramenons du jus. Ouais, j'ouvre une mine supplémentaire. Allez. Ah non, c'est tout le monde est en train de se radiner, ok. Ou pas. Enfin, les gens tournent en rond. Un mec qui est sorti littéralement, il est re-rentré. Ok. S'il veut. Alors, on tourne à 3-4 mecs sur la mine, bon, ça va. Les accus, ils sont presque tous. Bah, ils sont tous pleins, sauf celui du haut, en fait, qui n'a pas été rempli. Du tout, même.
Ça devrait tenir à peu près. Il n'y a pas assez d'ingénieurs, hein, visiblement, pour tenir de nuit les observatoires. Après, ils sont en attente de pas mal de métal. Et là, ils ont l'air tous dormir ou faire du rangement ou des trucs ou des machins. Là, j'ai pas l'impression qu'ils bossent tellement. Ouais, c'est ça, hein. Ils se baladent avec de la bouffe, c'est cool. En fait, ils font du travail de droïde porteur. Il va falloir que je rentre du droïde porteur. Dès qu'on a un peu plus confort en énergie. Dès que lui là il est fait. J'aimerais vraiment finir cette partie de base avant de vous. Avant de vous lâcher, que vous soyez tranquille, que j'arrête de vous saouler avec mes âneries. Ben voilà, ça c'est très beau ça. Voilà, ça fait une connexion supplémentaire. On adore. On adore ici. Faire des connexions supplémentaires. Tentaculaire. Ah, tu peux faire un strike là-dessus. Hein. Ça tiendra. Officiel, ça tient. Ah oui, ça tient bien. Ouais. Oh, oula, oui, ça tient bien. Ah ouais, j'ai vraiment mis des connexions dans tous les sens. Hein. Maintenant, ça tient. Hein. Ça, pour faire tomber le réseau, faut avoir envie. Hein. Ou alors, faut taper là. Tu tapes là, tu coupes une demi-base. Parce que j'ai juste fait une connexion. Je devrais en faire une deuxième d'ailleurs. Vraiment, je devrais. Hein. Mais ça ferait sauter des machines. Et j'ai pas envie. Et j'ai pas envie. Eh, médicaments, il reste de la place. Hein. Ah oui, mais c'est parce qu'on a plus de bioplastique. On a plus. On a plus. C'est un bien grand mot. Ne plus avoir est un bien grand mot. Ah ouais, non, mais attends. Oh, ouais, tout ce qu'il me faut en puce là. Waouh. Oh l'enfer quoi. Bon bah très bien. Bon, ensuite ce sera ça la priorité. Hein. La radinerie toujours de faire deux connexions. Et du coup on envoie toujours Micheline faire une dernière connexion. Ça a l'air d'être un procédé traditionnel chez eux. Je suis embêté vraiment que cette base ne veuille pas avancer plus vite. C'est vraiment... bon là, de toute façon ils peuvent plus faire de micro-pros, hein, clairement. C'est plus dans leurs possibilités ou dans leurs capacités. Mais, oh les mecs, allez presser du métal, vraiment quoi. Tu vois, ils le mettent pas dans les machines. Tant qu'on tombe pas à zéro en pièces détachées, les mecs, Osef, hein. T'as pas de pièces détachées. Des pièces détachées quand on aura vraiment besoin, c'est-à-dire quand on a plus. C'est pas ça, hein. Voilà, et là, bien sûr, là, voilà. Il restait plus qu'une pièce, là, ils l'ont claqué. Voilà, donc du coup, là, ils vont en faire 8 d'un coup. Comme des gros neuneux. C'est pas grave, hein. 8 de prêt, 8 de prête. Pas de problème. D'ailleurs, maintenant qu'on a notre nouveau. Notre nouveau panneau solaire, c'est pas grave, tu pouvais te permettre de tomber là, bien joué. Maintenant qu'on a notre nouveau panneau solaire, je vais pouvoir réactiver le grand spatio machin. Et là en réserve d'électricité, vous voyez, on est déjà bon d'un seul coup. Alors on n'est pas très large non plus, hein, j'avoue, regardez, il ne reste que 2 accus et demi de plein. Mais ça tient, ça a tenu, voilà. Et je fais quoi du 4 fois ma prod? Presque.
Ah non, même pas, 3 fois. 320. 320, 420, ouais, 480, c'est ça. J'ai du 3 fois ma production, même pas. Car dans les petites lignes, je le fais même pas. Je vais me dire qu'il y a une pièce qui n'a pas d'oxygène, au secours, alerte, vite. Par pitié. Faites quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Des salopards là. Ça c'est du salopard ça. Du salopard. Donc là c'est parti pour faire le tour que je voulais qu'il fasse, très bien. Du coup je ferme tout ça. Assez loin. Non mais je ferme la base mec, tu sors pas. Hein. Tu restes à l'intérieur. Ah merde. Merde. J'ai oublié de fermer celui-là. Faut que je me mette en alerte rouge. Alors je sais plus comment ça marche. Comment on se met en alerte rouge? Et vu que j'ai pas de flingue, tout le monde va crever, c'est ça? Bah c'est ça. Ok, c'est ça. C'est bien ça. Alors là, bon, bien sûr, j'ai pris un strike, je suppose, sur mes gadgets. Alors, qu'est-ce qui est mort massivement? On a encore de l'ouvrier, on a encore 6 ingénieurs, on a encore 2 médecins, on n'a qu'un seul garde. Ah, faut rééquilibrer les chances, là. 25, 25, pas plus de médecins, ça suffit. Du garde, un peu, il m'en faut, malheureusement, du coup. On va quand même monter à 30%. Yes, on va quand même monter comme ça. Oui, mais je vais quand même recouvrir ce coin là. Et je vais rouvrir celui-là. Voilà. Ça, j'en ai vraiment que deux à contrôler. Et au moins, je me ferai pas surprendre ce coup-ci. Ah, j'ai été con d'en oublier un. Et là, ce qui est chiant, c'est qu'il faut retourner sur le menu principal pour aller voir la dernière sauvegarde. Tout ça pour se dire ah oui, non, mais en fait, cette sauvegarde c'est mort, donc je suis obligé de reprendre l'autre. Voilà. Parce qu'on peut pas la relancer à partir de là. Faut revenir au menu, quoi. C'est obligatoire. Ah merde, je me suis gouré de salle. Mais non. Mais si. Mais non. Ah bah si, complètement. Et merde. Ah bah oui. Qu'est-ce que t'es toi? Ah, c'est Colin Powell. Un garde. Wouh! C'est amazing! Bon, vous pouvez virer toutes les ressources, du coup, hein, j'en ai pas besoin. Faut que je change de ça, je me suis gouré de salle. Eh ouais. J'ai fait. C'était une fabrique pourtant. T'as bien une fabrique toi. Ah non, c'est une usine. Oui, non, c'est ça, c'est une fabrique qu'il me faut. Bâtiment là, tout à fait. Je m'étais gouré. Je m'a gouré. Fabrique. Personne va aller me ramasser les trucs qui traînent par terre, hein, c'est ça. J'en ai bien l'impression. Hein. Ça y ressemble. Hein. Parce que le dépôt il est plein en plus. Yes, complètement. Donc je peux plus rien construire, c'est ça le projet. Je sais pas ce que vous êtes, donc je ferme. Qu'est-ce que vous
vous êtes. Vous êtes des gardes. Ah oui, c'est tout un groupe de gardes. Ok. Ça me fait combien de gardes, ça? Cinq gardes. Il en faut un peu plus. Le casier d'armes peut transporter combien? 3, 6, 9, 10 armes. Ouais, ça, il me faut 10 gardes. Dizaine de mecs en armes, ce sera très bien. Et du coup, on se retrouve avec un surplus de bouffe d'un coup. D'un coup, d'un seul. Vous avez être de bouffe. Ah. Ce qui peut être, ceci dit, l'occasion de faire un dépôt genre par là. On va pas le connecter à la mine. Un peu déçu. On peut pas. Je suis un peu déçu. Je suis très déçu même. Ça c'est censé couvrir toute la zone, mais encore une fois, faudrait qu'on me le construise, hein. Encore une fois. Ce serait formidable. Qu'est-ce qu'on a là? De l'ouvrier et du garde. Ok. Un ouvrier et plein de gardes, quoi. Oui, je peux ouvrir celui-là quand même. On va ouvrir celui-là parce que là je sens que vous galérez. Pourquoi vous allez tous dans cette mine-là? Je vous déteste, cassez-vous. Casse-toi. Tournez très bien avec deux mines, ça vous suffit largement. Arrêtez-moi votre cinéma, quoi. Ah, j'ai vu un petit réserve d'électricité faible, hein. Faut pas me faire genre, je l'ai pas vu, hein. Si, si, hein, je l'ai bien vu. Attends. Et il m'emmerde. Ils auraient pu éviter de le mettre là, mais ils l'ont mis là. C'est super. Donc c'est pas grave, je vais mettre la fabrique ici. Hein. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est encore des gardes? Ah oui. Putain, c'est la max. Putain, ils sont en train de maxer en garde, quoi. Peut-être arrêter de se maxer en garde, là, parce que... J'ai 9 sur 10. 9 sur les 10 dont j'ai besoin, quoi. Paf. Une tout paf, ça fait sauter un écran, mais je m'en fous. C'est pas grave. Ah ouais, mais attends, faut que je vire ça aussi là, parce que sinon je vais pas pouvoir faire mon autre bâtiment. Ici ça a l'air de rien, mais du coup, faut que je claque une fabrique. Que je refasse pas la connerie. Voilà, une fabrique. Yes. 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 Yes it is. Yes I know. Un milliard de gardes d'après ce que j'ai vu. C'est exactement ça. Voilà. On va quand même se mettre une petite petit pourcentage de voilà. Petit pourcentage d'ingé ouais, plus peut-être hein, 20%. Voilà. Ça me paraît très bien. Celui-là du coup, on peut le fermer d'ailleurs. En particulier, tu feras le tour. La réserve d'électricité est faible. Oh non, pas déjà, arrêtez, vous êtes pas cool les mecs. Faut dire tout compte du jeu. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a de l'ingé du biologiste. Ok, pas d'ouvrier, rigolo. Très rigolo. La réserve d'électricité est déjà critique. Tu sais à quel point la réserve d'électricité, on a déjà plein le cul aussi.
Est-ce que tu es au courant? Est-ce qu'on te l'a dit? Est-ce qu'on t'a informé des choses? Waouh, rigolo ça. Attendez, ouais, j'ai eu un truc. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Mais j'ai envie de dire, pourquoi faire ça quand on peut faire genre un truc comme ça? Yes. Exactement. Paf. Tu l'enlèves. Tac. Tu reviens. Et tu fais de l'aplanissement de terrain. Yes. J'ai aplani une montagne, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe? Je vois pas où est le problème, quoi. J'ai aplani des montagnes, ça m'amuse, quoi. Et vous savez à quel point ça m'amuse. Ceux qui suivent un peu ce qui s'est passé sur Planet Base, vous savez à quel point ça me fend la gueule. Des bioman. 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 C'est pas possible, hein. Vraiment, ce jeu ne respecte aucune statistique. Ouais, tu respectes aucune stat, donc je vais être obligé de te faire respecter des stats. Ah oui, non, par contre, 5% de médecins, c'est hors de question. Hors de question, arrêtez ça. Ouais, pas mal. Donc je vais te forcer à m'envoyer des ouvriers un peu, quoi. Des ouvriers, ouais, mais des ingés, je crois que j'en ai pas en vrai. En vrai, j'en ai pas tant que ça. Ouais, j'en ai que 7 en fait. Non, non, vas-y, renvoie des ingés en vrai. En vrai, vas-y, tu peux renvoyer. Un bout de métal, c'est quoi? C'est une fabrique? Fabrique. J'ai fait deux fabriques. Ok. J'ai fait deux fabriques alors que je voulais faire un biodôme quelque part. Non mais je m'énerve pas. Virez-moi tout. J'ai fait une fabrique, je me suis brouillé le cul de faire du coup deux fabriques. C'est ça. Oh putain. Ça c'est la preuve que je joue depuis trop longtemps. C'est une preuve, hein. Croyez-en mon expérience, c'est une preuve. Suffisante d'ailleurs. Que le jeu a pas compris qu'à un moment donné je lui ai demandé des ouvriers, je crois. Je crois que j'ai pas été clair. Je crois que. Je veux dire, j'en ai 22%, j'en demande 60%. Peut-être un truc que j'ai raté, hein. Peut-être, hein. Je sais pas, mais. Un peu étrange, hein. Donc on va faire un classique, hein. On va partir sur 100% ouvriers. Merci, au revoir, bonne journée. Allez, vas-y, le jeu. Je veux 100% ouvriers. Non, je veux plus que des ouvriers. Ce sera bien. Et ils rentrent les mains vides. Ça me tue, les mecs qui rentrent les mains vides aussi. Ils se déplacent à la même vitesse quand il est chargé, quand il est pas chargé. Bon, peut-être à quelques millimètres de l'heure, mais tu vois, de différence. Mais... Et, concrètement, il n'y a pas de grande diff. Ok, je veux des pistolets. Deux fabriques, c'est largement suffisant. Ok, arrête ça. Tac, 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 on ralentit, qu'est-ce que c'est? Ça avait l'air d'être des ouvriers. Y a pas d'embrouille.
Et donc tac, on revient ici. Il me faut toujours plus de pros, toujours plus de pros. Et on gardera sous le coude éventuellement un peu d'espace pour faire de la pièce détachée si besoin est. Voilà. Mais à chaque fois, ça nécessite un peu de métal. Mais au moins, vous pourrez aller chercher le bioplastoc qui traîne dehors. Non, ils ont décidé d'aller chercher celui de la réserve. Mais c'est ça, le bioplastique de dehors, il est perdu, hein. Il est perdu pour aujourd'hui, pour toujours. Amen. Population de mineurs, c'est toujours pas ça. Par contre, quand on a plus de gardes que d'ingénieurs, faut commencer à se poser des vraies questions, je pense. Ah bah voilà. Allez. Allez, ça c'est bon ça. Non, ça c'est bon. Ça c'est cool. Ouais, genre, ouais, 18, 18 c'est bien, hein. Je pense que 18. Je coupe ça, on est bien. 18, on est bien. 18, on est bien, on peut donc réouvrir tous les sas. Ok, ouais, c'est lui, 33. C'est la grande piste d'atterrissage qui me l'a mise. Hein. 33 de pompage la nuit. C'est 33 pompages de trop. Hein. Ils veulent pas me récupérer ce bioplastique. Hein. Franchement, je les déteste. On va vraiment être obligé d'attendre qu'ils pourrissent, quoi, ce truc. C'est dingue, hein. Je pense qu'on pourra entrer le grand par là. On verra. On verra une fois qu'on n'aura plus de bioplastique qui nous gêne. Problème de pompage d'air. Ah ouais, il y a un petit problème d'air ici. Ah mais il y a un petit problème d'air là en fait. Ah, c'est le biodôme qui pompe axe. C'est le biodôme qui pompe axe. Salaud. On va se mettre une petite salle d'oxygène ici, hein. On devrait avoir assez de pression. Oui, ça va, rien de critique non plus, calme-toi. 9%, c'est moins de 20%, c'est largement suffisant pour pioncer. Ça, tu fais un petit peu un sommeil lourd et c'est très bien. Tu dors mieux comme ça, fais pas chier. Juste fais pas chier. Allez, je sais, il y a des merdouilles dessus, je peux rien faire. J'adorerais que vous me les viriez, mais bon, je vais être obligé d'attendre qu'on les gaspille. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible. Réserve d'électricité faible. Bah ouais. Ouais. Bah une grosse salle comme ça, ouais, c'est pas étonnant. Yes. Plastique. Bah ça va couper. Ah non, ça va pas couper. Ça va pas couper, mais bon, on n'est pas à grand chose de la coupure, quoi. Paf. 305. Ah ouais. 480. Ouais, non, faut toujours à peu près 3 fois. Ça a pas changé grand chose, visiblement.
C'est un autre panneau solaire. J'arrivais déjà plus à remplir mes accus. Ah ouais, ça y ressemble, hein. Ah ouais, ça y ressemble, hein. Ah ouais, ça y ressemble carrément, ouais. Ah oui, on n'a pas assez de temps pour tous les remplir. Ouais, c'est ça. Va me remplir celui-là, quoi. Et encore, c'est même pas sûr. Ouais, non, c'est même pas sûr. Non, il sera même pas plein. Oh. C'est pas sympa d'avoir pété la seule salle qui a qu'une seule connexion. C'est pas cool. C'est pas cool. Bon, c'est bientôt bousillé ça ou pas? Vous allez me l'enlever peut-être? Ah non, on a trop de gens dans la base. Ce qui fait qu'on est en... Ah oui, on est en vraie crise d'oxygène en fait. Ah, c'est pas une blague. C'est une vraie crise de l'oxygène. Ah. Intéressant. Non, attends, peut-être pas. Peut-être pas besoin de te virer pour pouvoir mettre ça ici, ouais. Tentaculaire! Ah bah parfait, ils m'ont enfin viré du merdier. Cool, bon, ça rentre. Bon, ça rentre, hein. Oh, bon, j'arrive plus à cliquer. Je ne sais plus cliquer, c'est compliqué. Ouais, on va se faire une petite tête de pont par ici. Voilà, c'est très mignon, très joli. Et puis bien sûr, vu qu'on sait qu'on a un problème, paf, on va se refaire un gros oxygénateur par ici. Alors, attends. Yes, genre comme ça, tu vois. Paf, 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 et paf. Tout paf. Ah, on peut plus. Ah, merde. Ah, non. Ah, il faut absolument que je puisse le connecter là. Yes. Voilà, moi je te connecte comme ça. Pas te connecter là, tant pis. C'est tant pis. C'est tant pis. Bah c'est très bien, moult connexion dans la connecterie connectée. Et connectante, bien sûr. Je pense qu'on a envie de faire une deuxième tête de sas ici. Pour agrandir le réseau des connexions. Ah, c'est vraiment juste pour faire de la connexion. Ah, je peux pas connecter ces deux-là ensemble. Ah, c'est moche. Ça, c'est moche. Du coup, ça sert à rien. Allez, ça dégage. Ah, ça dégage. Tout dégage. Dégagez tout. Tout dégage, normalement j'ai assez de panneaux solaires pour que ça tienne cette histoire. Je vais reposer un accumulateur par ici, parce que je peux avoir de la multiple co, donc on va pas se gêner. Allez, on connecte partout. En vrai, deux connexions à chaque fois ça suffit, hein. J'abuse en embêtant trois. Hein. C'est juste que j'en ai rien à faire, parce que j'ai des nains partout là. D'ailleurs, ça crosse pas là. Hein. C'est bout du genou les gars. C'est bout du genou. Mais non, qu'est-ce que je fais? Je veux pas que je te coupe toi. Ah oui, j'ai gardé que la grande piste d'atterrissage. Ouais. Cette de nuit, ça doit flinguer les trucs. Je sais pas, on peut pas voir un accu là qui descend tranquillement. Ce que ça donne. On commence, on consomme du 169. Et là, 202. Ouais, ça met une sacrée claque. Hein. Yes. 169 à 302, ça nous fait quoi? Presque 20 et quelques. Non. Ça, si, ça nous fait 20%. Ça nous fait 20% de plus quasiment, ouais. Un peu plus, je crois même.
16, 32, ouais, non, ça fait un peu moins de 20%. Ça fait un peu moins de 20% de consommation supplémentaire, mais bon, c'est les 20% qui te mettent une balle dans le pied, quoi. C'est les 20% de. On n'était pas prêt. Yes. Yes, c'est incroyable, vous avez la priorité là-dessus. Nice, super. Là-dessus aussi. Nice, vous kiffez. Et aussi là-dessus. Hein, c'est chiant, c'est chiant. Est-ce que vous trouvez ça chiant? Voilà, et après, là, normalement, on a une base complète à laquelle je ne touche plus. Parce que c'est quand même ça l'intérêt. Et on va pouvoir monter à 300 de population de droïdes à partir de maintenant. Alors, électricité faible, par contre, il y aura peut-être encore un petit peu de réseau électrique à redéployer. Hein, parce qu'effectivement, on n'est pas large. On n'en mène pas large. Faudra quand même rester vigilant là-dessus. On a un gros parc électrique quand même. On a un parc électrique du confort absolu. Pour ce qui est du jour, hein. Pour ce qui est du jour, c'est quand même beau. Hein. Jour sans. bien entendu, sans. Oula, 172. Bam! On a fini de pièce là. Et pas des moindres. Ah non, mais ça, je suis pas d'accord. Alors attention, faut faire un joli biodôme. C'est parti. Pourquoi il est pas d'accord des fois? Trop étrange ça. Ah ouais, ah non mais attendez, je peux pas vous mettre d'écran là. Ah oh, mais non, parce que j'aime bien vous mettre un petit écran en face. Voilà, pendant que t'as Jean-Michel qui suit le cul juste derrière toi. Et t'as la roue juste à côté de ton oreille, c'est génial. Oh c'est génial, c'est génial. C'est complètement ouf. Tiens, oh, putain. Battez le cul de Michel ou de Micheline. Pendant que toi tu regardes Patrick en train de mater le cul de Micheline. C'est super, qui sera elle-même en train de mater les couilles de Michou. Eh bah oui, incroyable. C'est incroyablement bien fait. Les dômes sportifs, c'est vraiment. C'est vraiment une conception de l'art, de l'optimisation. Incroyable. Voilà. Voilà, à la queue leu-leu, un peu quand même. Ah, dommage. Beaucoup de bancs, pot de fleurs ou deux quoi. Ah oui, non mais attendez, il fallait que je vous mette de l'eau aussi. Ah ça bon, ça passe, je peux mettre un peu d'eau. J'ai dû en mettre un peu plus, voilà. Regardez, je mets un peu plus d'eau. C'est ouf, hein. Regardez toute cette eau que je mets. C'est incroyable. Ça c'est ouf. Ça c'est ouf, voilà, il y en a déjà qui sont en train de kiffer tout le concept. Alors bien sûr, faut vous mettre du Cyril Hanouna en habillage. Est-ce qu'on peut mettre du Cyril Hanouna s'il vous plaît? Alors visiblement j'ai abusé de l'espace. Ah vous n'aurez pas de Cyril, ah c'est pas de propagande dans cette pièce. Alors c'est vraiment la pièce du repos, hein, et de la sociabilisation. Il y a pas de propagande dans cette pièce, c'est vraiment, c'est scandaleux. Non mais si, faut le dire, à un moment donné, faut pas avoir peur d'utiliser les vrais mots. C'est scandaleux. Pas de propagande dans cette pièce, c'est un scandale. Bon, c'est un scandale sans sandales, mais toujours pas de flingue, hein. Yes. Bon, en même temps, on est toujours en train de s'agrandir, hein, donc forcément, la réponse est non. Et ça charge encore, ouais, ça charge. Ouais, je crois qu'il y en a qu'une de plus et on sera bon, hein, en vrai. Hein. Ouais, parce que là, tout va être chargé. Hein. Tout va être chargé à bloc. Et il nous reste un petit peu de temps pour charger un autre accumulateur, normalement. Ouais, ça charge quand même très vite. Ah, il y en a un autre qui charge que j'ai pas vu. Qui charge. Qui chargeait, parce que visiblement, c'est fini. Paf! Ouais. Ouais, on a place encore pour un accumulateur. On sera peut-être pas plein à fond, on aura peut-être un demi-plein dessus, mais ça peut être le plein de la différence. Hop là. Ça se répare, c'est bien fait. Le monde est bien fait. Ok, on a consommé beaucoup de bioplastique, ça c'est génial. Du plastique partout. Du plastique à la plage, du plastique en vacances.
Plastique en forêt. Plastique, c'est fantastique. Générateur d'oxygène n'a plus d'eau. Ah. Ah bah oui, à un moment donné, il fallait que ça arrive. Hein. La petite pépon. Allez. Parce qu'on dépense pas assez de métal. C'est parti. Et c'est prioritaire, bien sûr. Et on est très bien. Alors moi, je pense que je vais vous finir ça tranquillement. Quelques constructions, ou dans tous les cas, même si je reprends là, je sais pas ce que j'ai décidé. Mais quoi qu'il en soit, on va finir ça dans un autre épisode, parce que celui-là est assez long. Hein. Je pense qu'il doit faire ses 2 heures, au moins 2 heures comme tous les autres, parce que sinon, il n'y a pas de respect. Donc je vous fais des bisous, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Planet Base, et je vous dis à la prochaine. Des bisous, ciao.